Et on est de retour. Alors, j'ai vu qu'il y avait de l'anglais sur le chat. Je vais passer en anglais. Je vais alterner entre les deux, entre français et anglais. So, Warrior was asking, will there be a game stream? Yes, we will stream the final in a few minutes. Right now, they are taking a break because it was both very long game. And after that, they are like discussing about the different prizes. Maybe we'll show you what are the prizes. It's like very cool promo card. And the final will start as soon as they are ready. So our final is Rinar against Bria. Absolutely. And apparently this is not a good news for Rinar. Yes, from what we've heard from our in-house Rinar specialist, it's almost impossible to win the matchup. So we'll see how he decides to side in and to handle the matchup. Maybe we can have an interview after that. Yeah, or before. We're for sure gonna maybe have not an interview after that. Before, I don't think so. I think they are really locked in, and that they don't really want to talk. And I can see that Chris is still talking to his previous opponent, Poison, and they are debriefing the game. So apparently, it was a very long game. What? It was a very long game. Yes, it was a very long and intense game. Yeah. And Katsu lost by being fatigued by Briar, if you can believe it. But he went for a more mid-range plan and it Briar didn't work. Yeah. At the end of the game, he was like, I don't get it. I don't know how to beat you. So yeah, you have to explain need, to me need, how to beat you to because train, I don't know how to do it. Donc ouais, effectivement, c'était une game assez complexe. Je crois que ça a été assez intense en termes de intellectuellement en tout cas. Et je pense qu'ils vont Chris va avoir besoin de se poser un petit peu là avant la dernière game, avant cette grande finale. Donc on vous le rappelle, hein, c'est le Reinhard d'Etienne contre Braillard, piloté par Chris, donc le meilleur joueur français si on suit le classement de LSS. So yes. Ouais. So in English for our English according speaker, to the official rankings by LSS, points, he's yes. the most Christian he's the best the, player the best because player. He, yeah. Most point, almost 1,000. Yes. He has more than 1,000 now. Yeah, officially from what we can see on the website, he's got like 982. But so he got some points last week on the in the last 2 weeks he got what he needed to get the gold foil. Yes, he will have two now if he wins. If he wins, yeah. He will have two, and he has not lost any matchup in classic constructing during the weekend. He was undefeated during the round And he lost, I think, one draft game? One or two? I don't remember. Oh yeah, maybe. But yeah, for now he have not lost one game. So you can be sure he knows how to pilot the Ruinblade, the elemental Ruinblade. And I don't know if he has much experience in the matchup against Reinhard, because it's not a French player. It's so normally he's used to play against it. they know each other because they've been on the French Discord for a long time, but I don't know if they've played often against each other. Yeah, but I think he knows how to play the matchup. We will see. Maybe he will be coach or... You can be sure that the Reiner player is ready for the Briar matchup, so it will be interesting. But I will take a look about what's going on. Mm-hmm. Anyway, don't hesitate if you have any questions. Si vous avez des questions, on peut en parler. Salut, allô. Yes, Reiner decided to try. On va voir, hein, peut-être. Non, mais peut-être que c'est le bon matchup. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu pouvais pas. Le field n'était pas non plus rempli de Briar, mais il y en avait quand même 11 sur 39 joueurs. Et donc, c'est impossible de passer en top 8 dans ce field si t'as pas un bon matchup contre Briar. Et le fait est qu'il est arrivé en finale. Donc, je pense que c'est pas un si mauvais matchup que ça pour la brute. Il faut voir, on va voir un petit peu ce qui va se passer en finale, parce que c'est ça qui compte maintenant. Arriver en finale, c'est bien, mais si c'est pour s'effondrer lamentablement devant la ligne d'arrivée, c'est un peu triste.
Ils sont en train de se poser un petit peu avant le début de la partie. Je les vois se préparer. Alors, on est combien là? Hop, on est 38. Okay. On va peut-être vous faire. On a complètement oublié de vous faire gagner des boosters. On va évidemment le faire pour la finale. Et comme il nous reste plein, on va vous en faire gagner plein. Je regarde un peu plus haut ce qu'il y avait. Yeah, there should be coverage in English, but I don't know if they picked up the stream again. Du coup, tous les deux ont un PTI, si je me rappelle. Ouais, a priori, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Reprendre les deux decklists pour que vous les affichiez tout à l'heure. Aurélie, tu reviens avec des informations. Ah, Tintin is back. Alors, j'ai des infos. Donc, il faut savoir que les lots pour les deux finalistes sont relativement similaires. Donc, ici, il n'y a pas de d'enjeu financier. Ils Ok. vont se battre pour le Pour la gloire, trophée, bah pour les c'est gloires, ce qu'il y a de plus beau. pour le titre. Les deux sont qualifiés pour les championnats du Oui, monde. c'est ce qu'on disait avec Tagor Voilà, sur le exactement. chat, effectivement. Donc, nous connaissons nos deux représentants français. Ça, c'est bien. C'est bien. Voilà, on est content. Ouais. Non, mais en plus, c'est des joueurs très cool. Yes. Ouais. Bon, Et ce alors, qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas je de joueurs voulais aller toxiques vous dans cette prendre communauté, mais une ouais. petite photo. Ouais, bien sûr, ils sont en train de se mettre en place. Bah, Ouais, je vais mais aller le il y a faire. le trophée, etc. Est-ce que Romain t'irait pas nous faire une Ouais, je vais petite faire ça tout de photo, suite. un petit tweet, qu'on vous montre un petit peu à quoi ressemble ce trophée? Voilà, ils sont en train de se mettre en place. Là-dessus. Pour les decklists, il faut encore qu'on en rentre quelques-unes. Ça nous prend un petit peu de temps parce qu'on vous les met en forme, etc. Mais vous aurez toutes les decklists du top 8 qui seront postées sur Twitter d'ici la fin de la journée. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. C'est important. Et je vous remercie. On est 40 personnes sur ce live. C'est parfait. Voilà. Alors, on pourrait essayer de voir, hein, quels sont vos pronostics dans le chat. Pensez-vous qui va gagner? Qui va pouvoir remporter le titre de champion? Alors, j'ai vu le trophée, pour le coup, je le trouve assez joli. J'espère qu'on va pouvoir rapidement voir ce qui se passe avec reporter Romain, qui est en train de nous faire ça. On a éteint notre caméra pour pouvoir avoir. Alors, ça, c'est du pronostic bien précis de la part de Tagor, qui nous pronostique carrément comment ça va finir. Ça ne rigole plus. Mais écoute, on verra si ça finit comme ça. En tout cas, nous on nous a dit que c'était le favori. Moi, j'avoue que ce serait vraiment triste pour lui d'avoir perdu aucune game à part la finale. On va voir tout de suite. Pour le spectacle, on va Reynard victorieux, mais je pense que si Reynard gagne, tout le monde sera tellement content aussi. Ouais, je ne pense pas qu'il y ait de mauvais résultats possibles sur cette finale. Quoi qu'il arrive, des gens seront contents. Je ne pense pas que des gens soient malheureux. Ces deux joueurs qui sont très appréciés dans la communauté, donc on sera content quoi qu'il arrive, et on est en tout cas très fiers d'envoyer ces deux personnes au championnat du monde. Je vais essayer de me renseigner d'ailleurs. Quand est-ce qu'il est? Est-ce qu'il y en a sur le chat, vous savez? Quand est-ce qu'il a lieu ce championnat du monde? Ou c'est Pro Tour Invite? Alors, Honorius sur un reckless swing. Alors là, ça y est, ça y va sur les pronostics hyper engagés. C'est l'année prochaine, donc c'est pas pour tout de suite. On va voir ça. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais hier sur le stream US, ils ont annoncé qu'il y aurait 30 callings l'année prochaine en Europe. Et ça, franchement, ça va être super chouette. Enfin, pas en Europe, dans le monde. Je m'avance un petit peu. Je ne sais pas combien on en aura en Europe, mais ça veut dire que Utrecht sera le premier d'une longue série, je l'espère, et qu'on va pouvoir rapidement pouvoir jouer plein de calling en Europe. J'ai super hâte. Alors,
Qui sont les finalistes? Les finalistes sont Franco Christian et Étienne Dury. Donc Briard versus Rinard. J'ai mon coéquipier qui revient. Reporter Romain, ouais. Que se passe-t-il? Non, mais ça y est, ils sont en train de se mettre en place. J'ai pris une photo du trophée. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris le trophée dans mes bras, dans mes doigts, dans mes mains. Tes mains? J'ai cru pendant quelques secondes. J'ai senti la puissance du champion français. Quand je l'ai reposé, j'étais juste moi-même et j'étais en fait. Salut, Argument Geek. So, final in a few minutes, you are setting up the game. Yes, they're ready, they're seats, and... il faut que je lance la caméra. It's Briard versus Rinard, yes. So, we are starting the camera right now. I'm trying to have a look at what's going on over there. Yes. I will just help Romain because we need to set up... Yes, perfect. Et vous pouvez voir les playmats. How did the top 8 look like? I can show you that. That was the top 8. Let me show you. Few minutes. Yes. That was the top 8 of the national. Ouais, non, c'est cet écran-là en fait qui est trois, qui est dupliqué, mais ça va. Tu m'as fait peur. C'est bon? Ouais, c'est bon. J'ai ressenti bien ça là, non? C'est net, quoi. So that was yes. So Chain lost in the quarterfinal. One of the Rina lost in the quarterfinal. One of the Briard lost against Dash, and Katsu win against Bravo. And then we had Rina versus Dash, which was two brothers fighting each other, and Rina win, which is Etienne on the final. And on the other side, it was a very tight matchup, Briard versus Katsu, and Katsu lost. Est-ce qu'on a les listes des finalistes, Wally? Non, on les a pas. Hein? Non. Je crois pas. Je crois qu'on les a pas prises. En fait, pendant, on les a rentrés dans la machine, donc on en a plus ou moins, on les a pas. Yeah, we are starting in a few seconds. They are just waiting because of the coverage. They have access to the deck lists of each other to be sure that it's fair. For people who was on stream and people who wasn't. So right now they are just be given the different deck lists so they can check what the opponent is playing.
searching for you exactly, Sky, so you can have an overview. Here we are. So that is the deck list of Christian, which is like a very classic. I don't know if we can say classic right now. It's not. What? Like, the classic matchup? Classic for 1 week. Classic for friends. For friends or not. Mm. It's just like everybody's playing that. So this is currently what he's playing. I think the major difference, it's three chains of eminence. Yeah, he's playing three chains of eminence, and I don't know if it is in which matchup he decides to side them in, but I'm pretty sure he's gonna play them against Reinhardt, because just the fact that he can negate Bardi beatdown or massacre on the Beast Within during a critical turn, it might make all the difference. I don't know if he's if it's close, it's gonna be important to negate the Bardi beatdowns. He's got 9 in the deck. Maybe interesting to we will see, but check after the game Breyer to see how he decides to side in. But yes, Breyer is a favorite here, but here in France people love to play Reinhardt, so yes, and the Reinhardt players decided to playtest the matchup hard, and the fact is that two of them managed to sneak into the top 8, and they faced many Breyers. So four Reinhardt and four two Reinhardt, in the top 8. And the two other Reinhardts were not that far away, but they lost because of the draft portion of the. And we were also having two Levia on the top table. Three Levia, Three Levia on the top table. On the top table, there were two, I think. Yeah. So yeah, so maybe it's like. I think that's what we were saying yesterday with Kevin, who's our resident Reinhardt player, Reinhardt expert. He was telling us that he was actually closer than what people think. What? He's from Belgium, not French. Yeah, okay. We are giving it to you for one weekend for having advice. Let's not kid ourselves. Belgium is a kind of France. In a way, skillfully keeping the same turn on top of the shelf. What do you mean? I need the Discord name of the Reinhardt players when I test with them. Oh, sure. So what is the name of, I think Etienne, I don't remember his Discord. Reinhardt player is Honorius. Honorius. Yes, it's Honorius on the French Discord. I think it's Honorius. I'm not sure, but maybe someone in the chat can correct me if they think I'm wrong. But I think and it's the second one? And the second one is Chris69? No, Chris is a Breyer player. Reinhardt player is Honorius. Yeah, but the other one, which was in the semifinal. Oh, in the semifinals? In the quarterfinals. Which, the Dash player? No, the other Reinhardt player. The other Reinhardt player was Campy. C-A-M-P-I. Yeah, I can let you down. So, Campy and Honorius Reinhardt player. I think one of the O's is actually a zero in Honorius's name. Yeah, but you can find the them. One, I don't know if they're on the... The French Discord? International Discord. Oh, probably not all of it, both of them, but so maybe Honorius. Chris is on the play. Chris is on the play, He was first on the round. On va quand même commenter en français, hein, parce qu'il y a quelques anglais, mais... If you have questions in English on the chat, please feel but free we'll, to... But we'll try to commentate in French. Feel free French to ask on the chat, but we will go back to French. Ok, alors on a un double pitch pour un petit grasp. Il va nous refaire la même, Runechant, Arsenal, Go. Il n'essaie pas de mettre de dégâts sur le premier tour, voilà. Il a juste envie d'utiliser c'est son... C'est trop prévisible, on sait exactement ce qui va se passer. Son Runechant.
Et c'est exactement ce qu'il a fait. En Ok, fait, j'ai pas vu ce qu'il a reçu. Arkbound Geek nous comprend, donc c'est très bien. C'est tout ce qui compte. De toute façon, les images vont parler d'elles-mêmes. Ouais. Je sais pas si j'ai les tokens. Non, je crois pas. Je vais y travailler. Et donc, on était assez surpris quand on discutait avec Kevin que Étienne joue une version full club. Ouais, il aime bien. Bah, il joue un peu comme un bravo player. Il C'est défend, il vrai. met des coups de club. C'est un Et il bien fichier setup la fin de son contre-dash. deck, et à la fin de son deck, il met des Blood Rush Bellow et des Into Ça Massacre. marche bien, hein? Bah, ça a bien marché à la partie précédente, puisque je crois qu'il avait un tour avec 15 points de dégâts sur son frère. Un Barra Jim Beatdown qui est pitché pour mettre un coup de club. Voilà, bah, Allez, il setup ses full Barra Jim club. Beatdown pour la fin de la game. S'il arrive à tenir assez longtemps face à Il Briar. prendra bien 4, peut-être Voilà. un Et petit 1. tu vois, sur ce premier coup de club, il Et n'a pas ben tu envie de se vois, le c'est un Arcane prendre Shockwave pour particulièrement. moi. Ouais. Il laisse faire avec une Shockwave. Ah, si, il joue quand même un nul rune, en équipe en nul rune. Merci de nous suivre, Shaina. Shaina. Yes, thanks for you. Regardez-moi ça, c'est magnifique, ces gens Et qui n'oublient pas leur compteur de tunique. Regarde, il a même pas besoin de mettre quoi que ce soit pour se le rappeler. Enfin, c'est du beau boulot. Alors, Prince Bourg, ah bah oui, il a accepté de se prendre un point de dégâts, il voulait pas se prendre plus, mais ça lui permet d'avoir un Gauguin sur son Scar for Scar. Oh, malin! Mais Et il aurait oui. pu aussi ne pas bloquer. Il aurait pu ne pas bloquer, mais je pense qu'il a pas envie Affiche-moi de le bêter son go, arrête tour. de m'afficher Et le bah... bleu là. Moi je veux Je me voir suis fait engueuler ce parce que que c'est. j'ai mis le mauvais Scar for Scar, vous y croyez à ça? Oui. Ouais, effectivement, il ne devait pas avoir Il une devait mana avoir beaucoup de incroyable. bleu en main, je pense. Active les skullcaps aussi. Un petit token. Alors, est-ce qu'on a. Ouais, J'ai c'était le l'impression. Red, donc il hit. Alors, des points de vie. Ah on a le frère qui vient Ah là soutenir. là, Mais bien toute la sûr. famille. Non En mais plus, là, c'est le moment sache de qu'il a venir en looké sa force. place. Il a looké C'était sa très bien tout place. à l'heure, il y avait un frère, il y avait un cousin, mais maintenant, il faut venir avec toute la famille, vraiment. Il faut faire venir les parents, les grands-parents, il faut faire venir les oncles et les tantes. On veut tout le monde, là. Tous les Diorui. Tout est duré. Il a besoin Le de soutien championnat parce du que monde, il faut qu'il c'est un match-up compliqué. Hein. Il a ses chances, mais c'est pas évident. Alors, Scar for Scar into Snatch, ça ressemble Ça à ce ressemble qu'on à a une dit un sortie peu de tout le Briar, week-end, hein. non? Un peu, ouais. Non, et je trouve que franchement, on n'a pas assez dit Antoine Antoine Lightning. Non, 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 on n'a pas assez Ben dit là, pour le Antoine moment, Lightning. ouais, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on l'a pas. En fait, il n'y en a pas eu Et il beaucoup n'en a la plus tant dernière. que Il n'en a ça. pas joué, du Alors coup, attends, on va à la rejeter partie un précédente. petit Ouais. coup d'œil à cette liste. Il en joue pourtant, non? Mais même pas en Il n'en joue fait. pas. C'est C'est peut-être peut-être pour pour ça. ça qu'on les a pas vus. Je Il suis a fait la désolé, carotte. on va donc pas dire Antoine Eh de non, on cette n'aura partie. pas. Par J'ai contre, il y a l'impression que ça Screaming déçoit pas grand Teacups. monde, donc bah, Donc c'est bien. Et on ça. s'était entraîné à le dire pourtant. Salut Bobby Dasloth, eh ben, pour t'initier à ce jeu fort intrigant, tu peux aller, alors dans Paris, si t'es vraiment dans Paris, tu peux aller à Play-In. Il y a des Blitz tous les jeudis soirs, il y a Bibliothèque François régulièrement des Mitterrand. initiations le week-end. Donc Play-In Paris, j'imagine que tu connais si t'es un joueur de jeu de cartes. Il y a aussi des drafts à Majestic, non pas à Non, Majestic Games, à Uchronim. à Uchronie. Et si tu es prêt à prendre le RER, on a Voilà. Ludi World qui est la boutique super active sur le sujet Voilà. et qui héberge ce national aujourd'hui Voilà. Qui est à et qui est à Bussy-Saint-Georges. Bussy-Saint-Georges. C'est Donc directement juste à sur la sortie du ligne RER. A. Tu as juste à prendre la ligne A et à prendre ton mal en patience et tu arriveras à côté de. Tu arriveras à Bussy-Saint-Georges qui est Alors, est-ce qu'on a le un métro et play le de RER est juste à côté de la bourse. Ah, dans Ah voilà, Plunder le and Plunder Glory. Run. C'est triste. C'est triste, mais c'est comme ça. Et on voit un sigil dans sa main. Ouais. Donc ça va pas être une main full Très attaque. Il va y avoir un arsenal sigil à la fin, mais. parfait. Oui, Il a un il peut snatch. l'utiliser pour pitch s'il a besoin.
Oh Oh là là là, là, le deuxième Kolidorad, c'était Kolidorad pas le brun contre dans Kolidorad. l'Arsenal. On aurait préféré voir le rouge dans l'Arsenal, mais Ouais. c'est comme Bah, ça. parfois les Plunderons sortent dans le Les désordre, mais Scar for ils arrivent quand même. Scar. Ah, le Scar for Scar, il a go again grâce à l'Embodiment, sinon il C'est n'aurait pas ça. eu. Sinon, il n'y aurait pas. Ah, c'est dommage ça. Mais c'est peut-être pour ça qu'il avait décidé de se prendre un point de Figure-toi dégâts, ce Étienne. super beau Scar for Scar. Pour rappel, elle la trouve magnifique. Je n'en ai pas. Et c'est mon anniversaire le 25 décembre. James White, si tu nous entends. Mais je ne sais pas où les trouver. Je crois que les drafts à Uchronie, c'est le mercredi, non? Il me semble que les drafts le mercredi sont à Écro Et le jeudi, et c'est appelé. Non, le play-in, c'est le c'est du jeudi. Blitz, le C'est le jeudi. jeudi soir et je pense que ça change régulièrement. Ouais. Oh, Ah, il y a le Lightning Lightning Press Press. qui passe derrière. Ouais. Oh, le double bloc. Alors, le Lightning Press est rouge, donc c'est plus 3, c'est ça? Ouais. Donc, on tape à 7 et c'est bloqué à 6. Il y a un point qui passe tout pile. Ah, la défense réaction. Ah, le springboard somersault. Et ouais, tu ne piocheras pas de cartes. You shall not draw. You shall not draw. Alors, ce Qu'est-ce qui est qu'il fait? bien, c'est que du coup, ouais, il piochera pas sur cette ligne de run. Ah, Ah, il il va a quand même juste envie, pitch. ouais, tu vois, il pitch son Là, CG pour, il va mettre ouais, deux il a envie aussi. de se mettre son Alors, Rosetta que va Stone. Ouais, faire c'est vrai que le c'est dommage parce que 15e? là, il y a ces deux points qui passent là de Oui, mais la question nul c'est est-ce rune. qu'il Enfin, il a quand même pitch nul ou rune. Comment? est-ce qu'il pitch ou est-ce qu'il défend à deux? Je pense qu'il va garder ses équipements pour les trigger on it. Ici, les Plunderer ne vont pas se trigger sur le Rosetta. Et surtout, il n'y a pas de Embodiment, mais vu qu'il n'y Ouais, aura pas une très grosse contre-attaque, c'est pas c'est très ça. grave. Est-ce qu'il défend les dégâts physiques? Il On a défend le les même. dégâts physiques, donc il se fait un tour à vide. Ouais. Est-ce que Mais tu veux porter cette doléance? c'est pas. J'ai l'impression qu'il y a un plan peut-être de fatiguer Briard. Ouais, c'est Oui, on peut-être le a plan. ici qui dit que si son frère a battu son autre frère, il peut battre tout le monde. Écoute, ils se sont entraînés. On a deux très très bons joueurs qui connaissent le match-up. Je pense que ça va être intéressant de voir ce qui se passe. Le seul truc qui peut battre un dur 8, c'est un autre dur 8. Partons là-dessus. Bon, voilà, bah, du coup, c'est un go again du tour entier pour. Alors, Pour notre ami Chris oula. qui repart, c'est quoi c'est. Ah, non, on voit pas bien. C'est le boost earth. C'est quoi? Le boost earth. Earth search. Plus un nihilisme. Ça tape. Il est Et c'est rouge. Il est Arcane rouge. Crackle. Il est rouge. Je l'ai pas affiché. Arcane Crackle. Donc, de mémoire, c'est plus 6. Ouais. Donc, plus 6, le nihilisme, c'est plus. Il est toujours une. Je sais pas combien sur Arcanic. Faites les calculs dans le chat. 3 plus 3. Il n'y a plus de cartes en main. Le sort, j'arrive pas à voir, 10, c'est un jaune? l'artifaucheuse. Ouais, c'est ça, Alors, 3 plus 3 plus 4, ça doit être ça. Je crois que c'est un jaune, hein, l'artia le search, Surge. c'est plus 5, plus 5. Non, le C'est un search est rouge? rouge. Ouais, le Il joue que des search est rouges? rouge. Il me semble bien. Ouais. Et on a un dimilisme derrière. Ouais. Il est jaune. Donc, plus 2. 2, plus 5, 7 et 3, 10. C'était bien compté de la part de Faucheuse. Voilà. Plus le petit arcane. Et l'arcane. Je pense que l'arcane est déjà passé. Ça fait vraiment très très mal, hein. Après, c'est qu'une seule attaque. Avec toutes les défenses réactions que joue Étienne, c'est peut-être mieux de prendre une grosse attaque que plein de petites. Il n'y a pas de boule lightning, il n'y a pas. D'ailleurs, ça marche pas avec Ball Lightning. Faut le savoir. Le Ball Lightning ne booste que les élémentales et Lightning. Ah, il faut Alors, il essayer de défend, ouais, prévenir il utilise. le. Mais parce que je pense qu'il va potentiellement Je sais se pas ce prendre qu'il un fait. Rosetta et donc il va peut-être. Il Puis en défend à vrai, il faut pas 6. qu'il s'épuise non plus. Ouais. Il défend à 6 Allez, avec si une c'est réussite. 4, Ouais. ça fait le Si je fais 10. 4 et Voilà, 10, ça le fait compte est les bon. défenses réaction. Voilà, tu vois le coup de Déchiffrer des Rosetta. lettres avec Aurélie Romain. 3.
J'allais dire romarin. On ne remercie pas la personne qui a suggéré J'ai suggéré ce pseudo. cette idée. Voilà, donc là, il se prend quand même. Ça va, c'était une petite pichette. Ouais. Par Le problème, c'est qu'il n'y a toujours pas de carte, hein, donc ça contre, oui, va. c'est peut-être sa stratégie. Hein. Ouais, mais alors là, quand même, c'est vraiment. Il met vraiment rien du tout en face. Hein. Il a. C'est bien quand t'arrives à mettre un coup de club quand même. Je veux dire, c'est ce que fait. C'est ce que fait Bravo. Il essaie de bloquer avec trois cartes et idéalement, il met un coup de. Ah, mais là, le problème, Là, c'est c'est qu'il y a eu compliqué. beaucoup Hein. de menaces. Hein. Ouais. Après, plus les menaces sont passées, moins ça fait de trucs Alors, aussi. ça démarre par un Captain's Call. Captain Captain's Call Skull, Into il n'y a que Force des of bleus. Nature. Je pense qu'il donne juste Go Again avec le Ouais, a Captain priori. Skull. Hein. Et ensuite, il y a le Force of Nature. Il a un Force of Nature. Du coup, il va avoir un. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Ça je ne discute. sais pas. Ça négocie. Nobody event of lightning. Tu peux t'afficher Force of Nature? Et Une two shockwave. Shockwave Fused. Et go La fuse avec quoi? Il a Fused avec Lightning surge. un Lightning Surge. Non, je crois pas. Si, c'était un Surge. Pas un Press. Donc il va prendre une autre attaque derrière. Ouais. Ah non, c'est un ball lightning. Un Ball Lightning. Et du coup, il va piocher si ça touche. Ouais, il attend un mauvais tour de l'adversaire, mais le problème, alors j'ai vu pas mal de games de Chris et il en fait très rarement des Mais en mauvais fait, le tours. Captain Paul a donné plus 2, puisqu'il Ouais. avait déjà Golden. Donc, plus 2, plus 1. Je pense pas qu'il ait été fused de Force of Nature. Non. Donc, c'est Non, il ne vraiment reste qu'une fini. carte là, Donc, ça qu'une attaque à carte 5. Lightning. Et on attend de voir. Il va sans doute vouloir Ouais, pêcher. Il va déjà il pêcher. défend en tout cas le dégât d'arcane. Il défend à 6. Mais il veut pas le faire piocher. Le Ball Lightning. Le Ball Lightning qui est utilisé pour activer la Rose of Et Thorn. encore une fois, à chaque fois qu'il a pitch, il a prévenu 2. Mais au final, tous ces petits points prévenus par-ci, par-là, c'est pas forcément négligeable. Et il défend les dégâts physiques de la Rosetta Thorn. Et bon, bah, Il va faire manifestement, ça il a tout vraiment décidé le d'essayer de temps. l'épuiser. Il claque sa main en défense, il prend quelques dégâts. Mais malheureusement, il n'arrive toujours pas à lui mettre un petit coup. Il descend inexorablement. Ce que disait Faucheux, c'est vrai, hein, il attend un mauvais tour de Briar, mais Il n'a pas l'air Briar, d'avoir envie de faire de mauvais tours elle à en fait pas tant que ça des mauvais Briar. tours, Après, il surtout s'en dans les sort mains bien, de il a Chris. raison. Je pense qu'il faut économiser les points de vie. Il y a un moment où tu fais un gros tour et l'adversaire. Bon, c'est vrai que d'après ce qu'on Il voit, se sert de il n'avait Pokal pas des encore fois. de quoi faire un énorme tour. Christian se contente de vider la main de son C'est adversaire ça. et de reproposer la même attaque à tour d'après. Alors, en parallèle, sachez que Pierre s'est vengé d'hier et vient de faire Voilà. first sur les rondes sur le side event en scellé. Donc, Pedro. Alors, on a un petit runshot. Avec un ball lightning. Situation de Ball grâce, pin to lightning. ball Un lightning. ball lightning rouge. Donc, on a. Je pense que ça va pitcher. Et donc, on a un dégât arcanique. Elle est belle cette carte. Hein Elle est hyper belle. Là, ils ont fait un effort. Enfin, c'est pas qu'ils ont fait un effort, mais ils ont mis vraiment le paquet en termes d'artwork. Alors, le runechant est prévenu. Et ensuite, on a ce ball lightning qui attaque pour 3 et qui est Qui est par un défendu massacre. par un massacre. Ouais, mais vraiment, il value pas ces cartes qui Peut-être que sont son cœur maîtresses c'est dans la d'autres fatigue, hein. match-up. Peut-être son cœur Là, c'est il la a juste fatigue. envie de défendre.
Écoute, je pense qu'il a navigué dans les rondes contre Briard. Il doit savoir Ouais. comment on joue le match-up. On va lui faire confiance. Ah, il y a juste un petit coup Petit code de Rosetta qui de va juste mettre Rosetta. deux en fait. C'est la finale, pas des rondes suisses, en fait, c'est la finale du national. C'est la grande finale en fait. Finale, voilà, Ouais, à là, l'issue de c'est cette deux game, on champions aura un et on champion de saura France. qui va brandir le trophée. Le trophée que Romain a pris dans ses mains tout à l'heure, Ouais, il que s'est j'ai senti sali super avec mes puissant. doigts. J'ai mis des traces de doigts et Emilien m'a disputé comme le vilain garçon que je suis. Mais est-ce que c'était bien Voilà, le alors bon c'était là, côté? peut-être que le mauvais tour, il était là, Mais regarde, il a pris Arsenal, il mais ça lui prépare suffit peut-être pas son pour tour. attaquer. Ouais, il avait une main qui lui permettait pas d'attaquer avec le club, manifestement. Oui, la Oui, poucave. pour le coup, Orfid, on est assez étonné. Le draft vient de se lancer enfin, Ouais. va se lancer sur le side event et on Ça est va déjà sur vite. la finale. Et il n'est que 13h, donc Voilà. Mais on oui, a oui. commencé relativement tôt, hein. On aurait été OK pour finir, pour Pour commencer plus tard commencer ce plus matin. tard. Mais... Bon, l'Open d'Arran, il arrive de l'Arsenal, là. Hein. Ah oui, mais c'est toujours un bleu. C'est un bleu, On en a malheureusement. toujours, il a toujours pas Ouais. envie de mettre des plaines de Et renouveau un devant Nimblism. l'Arsenal. Le Nimblism, de quelle couleur? Il est raide. Et un Lightning Surge qui, lui, ne vient pas de l'Arsenal, mais qui aura go again quand même. Donc on a plus 1, plus Plus un, plus 3, 3. plus 4. Et Et Lightning le Lightning Surge. Surge tape à 4, je C'est crois, quatre. dommage. Il est rouge. 4 À plus 4 4. 4 égale plus 4, ça tape à 8 et ça draw un hit. On a la prochaine liste Briard. Écoute, sa liste est plutôt chouette et ça nous arrange qu'il ne joue pas des Il joue endlines. aucun end-to-end lightning, ouais, effectivement. Alors je sais pas, pourtant beaucoup de joueurs décident de la jouer. Oh, fully Il bleu. blocked. Oh, il va prendre un Lightning Express. Non. Est-ce qu'il y a un Lightning Non. Press dans la main? Non. Non, Non. il n'y en a pas. Il a Two and two. call son bluff. Et du coup, un petit coup de Rosetta. Donc là, c'est 2 plus 2. Alors par contre, ils closent la chaîne, soit s'ils ont envie. Ah, tu nous gardes la surprise. Ah, et pas mal. Il utilise la tunique pour prévenir le damage. Ouais. Un arcane damage. Et un Et point, il c'est un défend. point. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il déforme, bien sûr. On en a vu des games perdus à un point de vie près. Ouais, non, mais bien Tous sûr. ces points de vie qu'il économise Tout maintenant, c'est. c'est Ouais. peut-être ce qui va le faire gagner. Hein. Un sou est un sou, un point de vie est un point de vie. Et encore un tour. Bah, j'ai l'impression que Christian joue tout seul. Enfin, en tout cas, c'est le seul à attaquer Étienne dans a dit, cette game. vas-y, vite ton deck, je suis Ouais. prête. En même temps, il est vite son deck en défense, donc je sais pas Je ne qui sais va pas perdre du en tout. premier à ce rythme-là. C'est Tank Reinhardt, bah ouais. Ouais, c'est un Tank Reinhardt. Mais hier, on avait vu des Tank Reinhardt qui se permettaient quand même de mettre des coups de club au Allez. passage. Là, c'est. Ça attaque pour 4 là. Ouais. 4, c'est ça? Il a révélé un Endlagging Ouais. Strike. Les Raven Trouble. Rubble, Rubble. rubble! Il est rouge, il est là, ça Il est me rouge. semble. Il attaque pour 4. Rubble, rubble! Mais je sais pas s'il setting tant que ça, Tagore, parce qu'il pitch rien. Oh, le Fate Fortune from the Arsenal. Ah ouais. Ça, tu l'avais pas vu venir. Il a pas Et défendu, il a bien il défendu était déjà avec le depuis tour un d'avant. tour dans l'Arsenal, il a pas. But he hasn't pitched anything yet. So I we mean, don't know. he hasn't act yet. We'll ask him after. Je pense que I think that the aim is to Oui, non, mais fatigue. je suis d'accord avec Artano, ça la fatigue. Briard, elle met plus grand chose et le club, il peut continuer à mettre 4, mais je sais pas si le. Ah, Je me il a demande pitch. s'il. Oh yes, Tagore a raison. Il a pitch pour les réactions d'arcane. C'est vrai. Du Il coup, a c'est peut-être ça le plan, c'est de pitch les pitch arcanes et 2 de bloc deux le ou trois cartes reste. depuis le début de la partie. Ouais, mais en face, il pitch You aussi, don't hein. think you can fatigue red line. We have seen it during the round, so I think it's possible. I think that's what the Katsu player tried at the previous round, It didn't and he work. didn't manage to do it. He had le way less cards. I mean, like 10 or 15 less cards at the end of the game. And he conceded because he knew that he wouldn't be able to finish him.
You will be happy to be poor. Ouais, Well, we'll see, it we'll would be see. a good strategy indeed. If it works, everybody can learn from that. Maybe this will be the conclusion of today. Like, Rinard is the way to go if you want to beat Briard. We don't know. Donc je pense que En même quand temps, il si joue c'était de ça la nouveau stratégie game, idéale et donc il va contre reproposer. Donc il va encore avoir un Ouais. pied prévenu. Sa stratégie Il marche pitch peut-être. qu'une par tour et lui aussi il en pitch, hein, donc Ah oui, mais bon. il n'y a pas de. Il pioche aussi. Hein. Non? Non, il l'empêche de Ben piocher non, il alors. pioche jamais. Je ne sais pas. Un Blood Rush Bello qui est balancé pour défendre, voilà. Blood Rush Bello, hein, c'est bien connu, très bonne carte de défense. Voilà, il s'est pris qu'un point sur ce tour. Un ou deux, je sais, je crois un. Mais voilà, bah Chris va rejouer. Et Arsenal, go. Bah, c'est sûr que là, pour le moment, il est passé. À ce rythme-là, il faut Ah, encore mais 30 tours pour le il a finir. quand même bien setup, tu vois. Regarde, c'était un barraging beatdown Hein? qu'il a setup en dessous. Ouais, on va voir ce On qui va se voir. passe. Alors, je vois un plunder En tout cas, ce qui est run, un sûr, c'est que lightning. Chris lui met pas beaucoup de dégâts, mais Non, est-ce que enlightning qui va arriver en strike, premier à on la connaît. fatigue, ça c'est une autre histoire. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Chris ne Snatch. se fait pas avoir par ce. En tout cas, il est au Snatch, courant nature, de peinture, là? Snatch, ouais, Snatch Strike. Bah peut-être qu'il a. Oh, Snapdragon. Il a Snapdragon au cas où, ouais. Il y a quelqu'un Pardon qui est pour en train ce de manger à commentaire. côté de nous alors Il y qu'on a crève quelqu'un la qui dalle, mange c'est un vraiment McDo à cruel. côté de C'est horrible. Horrible. C'est pendant que j'y Yeah, I mean, pense. he pitches some cards, but at some point, I don't know if he pitches enough to win the fatigue war. We'll Needs to see. overblock. Yeah, probably. I think there is a lightning press on the end. Oh, je vois. Il y en a qui surveillent. Il y a Simon qui surveille son. Yes, we'll see. But you know what? I Oui. will be happy if it's not Bria who wins. But right now, Christian will be undefeated, which will be also a cool It's a story. cool story, and he's a cool guy, so. I mean, who doesn't want to see the good guys win? Il bloque pour 6. Il bloque pour 6 et il snap Dragon Scalers en même temps. Ok. Oui, bah il lui propose toutes ses réactions. Yeah, we will be proud if Both of Rocco them are wins. really cool guys, so it's hard to root for anyone, but I mean, seeing Reinhardt win a national would be a cool story too, so. And now, est-ce que tu penses qu'il a une défense réaction? Et là, il n'en a 3. pas. Il y a un point, Il a oublié de un piocher. embodiment, et ça pioche. Il y a une lightning strike, il Et snap un un Nimble nouveau tour, Strike. ça va être un gros retour. Après, c'est peut-être le tour où il choisit. Donc, maintenant, il a déjà donné deux cartes Il de en sa main. teste. Non, non, là, il a pas de gros tour derrière. En plus, il a craqué un Blood Rush Bello encore pour défendre. Nimble Strike. Booster. Nimble Strike, il est boosté. Pour C'est un 5. rouge, hein. Ouais, c'est ça, il Et joue que pour des 5. rouges. Il en joue deux rouges. Donc, il attaque à 5. Why are you happy about that? When we take a look at the other national, there was only that. Except for some Asia country, when there is a In lot other of countries with Dorinthia. Dorinthea meta. In Malaysia, there's a lot of people who like to play the original warrior, apparently. You were playing, please. C'est dur, hein?
C'est cette AK5 qui demande à chaque fois des According to some cartes. people, Prism is the big bad wolf of the meta, so I don't know. Force me to play 10 different decks, yeah. So that's a good thing. Abundance of riches. Alors, il défend à 3, donc il se prend encore un petit peu de dégâts. Il y a des dégâts qui passent là. Hein. Oh, Holy Strike. Mais on le savait, il était from the top sur le rubber. Rubble. Par contre, je sais pas ce qu'il a fait. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Unmovable? Non, non. Ah, ça, si, c'est unmovable. C'est unmovable jaune. Ouais. Je pense qu'il a attaqué à 7, du coup. Ouais. Et du coup, il défend à 7, lui, unmovable jaune depuis l'arsenal. Il joue un unmovable jaune de mémoire, ou deux. Et là, cette tunique qui va rester plusieurs tours, à mon avis, à 3. Elle sert à payer les arcanes barrières. Ouais. Elle a été, cette carte a été designée pour ça, hein, bien évidemment. Mm. Ah, le plunder de l'arsenal. Ah, ça y est, le plunder rouge de l'arsenal. C'est le troisième, du coup. Voilà. Non, le deuxième, ah, là, il n'y a plus de plunder rouge. Hein. Là, il est rouge. Là, il est rouge, le plunder. Ok, qu'est-ce qu'il a pour enchaîner? Il a un Sting of Sorcery. Sting of Sorcery. Du coup, il a un embodiment of Lightning. Oh, y a et il y a une autre E-Strike, là. Ouais. Allez, cette E-Strike, elle va faire mal. Hein. Est-ce qu'il va choisir de jouer l'E-Strike en premier? J'ai l'impression qu'il a une autre attaque action en main. Après, il peut peut-être essayer de cycler une carte de sa main. Avec le Lightning Strike. Scared brute. C'est son plan de jeu, on va voir si ça va payer. How do you call a scared brute? They should try to find a new name for the hero, for the scared brute. Pour 7, tu penses? Mm. Ah, il a plus 3 déjà. 7 plus 3, ouais. Et le Sting. À pitcher, je pense. Je pense qu'il est boosté, du coup, il a pas pioché. Hein. Oh, il tape pas. Hein. Il tape à 10. Ça tape à 10, là. Hein. Ça tape à 10. Thank you for the il a donc dépensé 0 ressources hein, pour tout ça. Il pitche pas tant que ça. Non, mais là, il a pas pitché, mais sur les autres tours, il pitche un peu. Il utilisait Rosetta le plus possible pour pitcher. Ok? Il défend avec son skill cap. Est-ce que c'est le tour où il décide de dire ok, j'accepte mon skill? Ah, regarde. Non, il va avoir un. Il acceptera. Le double alpha rampage? Il claque deux alpha. Je sais pas à quel moment il va pouvoir faire des dégâts, hein, parce qu'alpha rampage c'est quand même une bonne manière de finir la game. Donc est-ce qu'il espère pouvoir le fatigue tout simplement et mettre des coups de club à la fin? Ah, il a draw. I would say Briar can win. Yeah. Oh, on a oublié de faire un giveaway, tiens, pour le pronostic. Bon, on fera ça. Okay. On fera ça au hasard. Ah, pas de temps de dégâts que ça qui passe, mais bon, il lui a fait claquer sa main encore une fois. Hein. Mais moi, j'ai peur qu'il ait plus rien pour tuer en fait. Ouais, c'est ça, c'est qu'on a vu encore on a vu donc deux alpha rampage passer, il en reste un troisième. Il y a pas mal de barres de beatdown qu'il a réussi à mettre sous son deck, mais il a plus énormément de. Mais ouais, c'est ça. Oh, de moyens de finir, à part effectivement si on considère que le club est une bonne win condition. Plunder Run de l'arsenal, encore une fois. Et rouge, encore une fois. Tu vois, il pitch un Captain's Call là, pour mettre un Rune Chant avec son Grasp. Et Ball Lightning. Ball Lightning rouge, il tape à 6. Plus l'Arcane Village.
Plus la menace du Plunderon. Le problème, c'est que du coup, il faut que tu donnes deux cartes. Alors, il défend. Ouais, il continue à défendre. Les arcanes. Les arcanes. I don't know what is going on with the pitch because you don't pick that much cards. Oh, come and conquer. Et il va lui rester des win cards. Il y en avait deux? Ouais. Il a claqué les deux, hein? Ouais. Two command and conquers, go... Et le plan de rue va partir dans le vent. Et il utilise, voilà, un autre point de ressource pour défendre un point d'arcane. Et la question c'est, il bloque ou pas? Il reste encore les bottes, hein. Effectivement. Et il défend les dégâts physiques, pas, et il se prend un dégât d'arcane. Twin de vie au spock. Ça coûte... Non. It's not that much right now, I think. Yeah, it's about that. It is. For six. Best defensive card, Command and Conquer, obviously. C'est toujours un tour sans, sans main. Alors, on a... Je sais pas à quel moment il va pouvoir repartir à l'offensive, parce que là pour le moment il perd, je pense qu'il perd à la fatigue. Un autre plunder run, c'est un raid celui-là. Hein. Yes, mais c'est non, c'est un jaune, je dirais. C'est un jaune ça? C'est un jaune, c'est un jaune. Les trois rouges sont passés déjà. Il a deux Nimbilism en main. Il me semble qu'il y a un Shockwave. En vrai, ce qu'il faut que tu comptes, c'est le nombre d'attaques. Hein. Le deck commence à être petit. Ouais. Les deux decks, mais je crois que celui d'Etienne est beaucoup plus petit. Hein. On n'a pas encore le subscribe button de Faucheuse parce qu'il faut qu'on ait suffisamment de followers pour que la feature voilà. S'active. J'imagine que tu te follow déjà puisque tu veux t'abonner, mais voilà, n'hésitez pas à encourager tout le monde à nous follow. La semaine prochaine, on devrait avoir débloqué les subscriptions. On va, on a prévu de faire beaucoup plus de, voilà, on va beaucoup plus streamer cette semaine pour pouvoir le faire. Ah non, il faut pas, il faut qu'on stream sur 7 jours différents. Eh, bah on va le faire, on va le faire tous les jours. Non, bah, on a fait déjà 3 jours de suite. On va faire ça pour essayer que ce soit débloqué pour les nationaux. Ça. On va alors là, je sais pas, ça y est, qui arrive après le Nimbilism. Alors attends. Alors, Nimbilism. Il faut déjà trouver la couleur. Donc, il est rouge, C'est rouge, celui-là. Ouais, ouais. La Shockwave aussi. Ouais, la Shockwave, les rouges. Shockwave, les rouges. 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est ça? Alors, le Plunderon, il n'était pas de l'arsenal. Et ici. La Shockwave n'a pas été fuse, hein, je crois, si je ne m'abuse. Je crois pas qu'il ait de carte Lightning normalement. Il a un autre Nimbizam et l'autre carte, j'arrive pas à voir, mais je ne crois pas que ce soit. Press, peut-être que c'est un problème. Ah, si c'est un Lightning Press. Mais alors, dans ce cas, dans ce genre de situation, tu n'as pas envie de le montrer que tu l'as, donc. Défend 9. Non, il a pas de lightning press. C'était un force of nature. Ouais. Il met un rune chanté, il attaque avec Rosetta. Il va encore pitch, tu penses? Mm-hmm. Et merci pour les follow. Merci pour les follow tout le monde, c'est cool. Ah, il commence à lui faire perdre quelques points de vie, mais bon. On est toujours, il n'est toujours pas passé sous les vents. Et en arsenal, l'ennemilis. Moi, j'ai peur qu'il... C'est le coup de tiers, ça lui coûte et beaucoup de cartes, mais il a toujours dépendu. Il gros, son deck, quand même. Comment? Est-ce qu'il n'a pas eu un plan où il aurait rentré tout il son side? Il rentre tout son side? Il joue à 80 cartes? Non, il a quand même moins de cartes. Hein. J'ai quand même tout de même le sentiment qu'il a beaucoup moins de cartes, là. C'est difficile à voir comme ça, mais... Ah, il est pas... Il est petit, mais il est pas... C'est petit, après, il est peut-être double sleeve, hein, mais... Ouais, il va falloir qu'on trouve ce qu'on peut vous streamer cette semaine pour pouvoir qu'on ait les subscriptions. Le ouais, on s'était dit qu'on allait probablement faire un draft parce qu'avec avec un petit groupe de joueurs comme Imouchet, comme Pierre Dagen, comme Pedro, on s'était mis, et Ash, une de nos judges, on s'était mis à faire des drafts sur TTS. C'était très cool pour préparer un peu tout le monde à cet événement. Et c'était très agréable à jouer, on s'était bien marré, donc on va peut-être qu'on va streamer ça cette semaine avec Pierre. Avec Pedro.
Si ça vous intéresse d'ailleurs, ou s'il y a d'autres trucs qui pourraient vous intéresser sur la chaîne, n'hésitez pas à nous le dire. Donc il y a un Istrike qui part avec un Emblisome qui est jaune, c'est ça? Yes. C'est celui qui Bon, alors était le problème l'arsenal le tour d'avant. des Istrikes, c'est qu'on sait pas s'il Je a. pense qu'il lui a donné Go Again. Ouais. Mais je Oui, suis c'est pas ça, tu sûre. devais jouer avec nous, Tagore, je me souviens. Bah, ouais, c'est un peu dommage. Mais bon, tu vois, quand on veut s'organiser à 6, 7, 8 pour un événement comme ça, quand il y en a 6 qui sont dispo, on dit ok, on fait ça. Pas ce qui se passe, il a l'air d'avoir encore un deck tellement énorme à Ouais. droite. Peut-être qu'ils ont tous sidé tous les deux. Je ne Du serais coup, pas de résultat fatiguée. derrière. Je ne serais pas Ouais. fatiguée. Non, je suis C'est désolée. la chanson de soirée. Vous êtes fatigué. Et là, Oh, Étienne, il dit, je oh, on n'est pas fatigué. serais Jamais fatigué. Eh bien, écoute, on verra, on verra. Moi, j'aurai pas beaucoup de temps cette semaine, malheureusement, parce qu'il faut que je prépare le stream. J'ai beaucoup de choses à coder et à Ouais, bah ouais, bien rajouter. sûr. Non, mais on va là, l'idée c'est qu'on Moi, se j'espère partage que un peu vous les tâches. appréciez, en tout cas, ces petits incrustes de cartes que j'ai pu coder mercredi soir à Non, mais l'Open. il est probable qu'après ce week-end où j'ai pas du tout pu jouer, même pas une seule game, j'ai quand même envie De de jouer, m'y s'il te mettre, plaît. moi. Donc je vais avoir envie de jouer cette semaine, et si je joue, Ben je après, streamerai. je vous laisserai streamer. Ouais. Je te filerai les assets et puis. Bah écoute, ouais, avec plaisir, faut chose. Bah, je pense qu'on lancera l'invite sur le Discord, et je sais que tu y es régulièrement, donc n'hésite pas à te joindre à nous. On n'était que 6 la dernière fois, donc toujours de la place. C'est juste que possible. Attendez, peut-être qu'on se perd. Il va jamais avoir. Il va. Ah, Avec la peine à le la bar à Jing fatigue, en Bighorn, ayant mis que un Bighorn là point. qui est utilisé pour défendre alors qu'il lui a permis de gagner la partie Je me précédente. dis qu'il sait ce qu'il fait, il a testé le match. Ce qui se passe. Comment t'as pu compter ça? Cartanos, est-ce que t'as vraiment C'était compté sept toutes les tout de cartes suite. qu'il a défaussées depuis le début de la partie? Non mais ils sont repassés. Il a peut-être compté pendant qu'il repassait les cartes. Ils ont compté là? Je sais pas. T'es une machine, Cartanos. C'est ça, t'es une machine. Ah, Ça y est, il a mis un coup. un coup de Ah, mais alors club. là, ça laisse me dire qu'on a vu Chris. Si tu veux juste l'attaquer avec un coup de club, il va dire. Suis Et dev, qui tout vient de à regarder? fait, Faucheuse. C'est moi qui ai développé tous les outils du stream. Tu vois, par exemple, tu vois les points de vie qui sont en haut. Eh ben, on n'a pas du tout besoin de le faire nous manuellement. C'est eux qui le font depuis la table. Et ça s'intègre directement dans le. Allez, en stream. Et tout ce que tu vois aussi, les cartes qui s'affichent à l'écran, c'est fait par un petit logiciel que. Enfin, un petit Un petit code website. de. Ouais, une petite app. C'est vrai que je vois si j'arrive à le passer en local. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est un peu First Blood. Du coup, c'est parti. Ça, c'était un Ball Lightning. Avec un Il les bloque. Plunder Run. Vraiment, tous les tours se Mais c'est suivent et se fou, au bout d'un ressemblent. moment, il n'y en aura plus des plunder run. Ok, non, mais t'as juste compté, mais d'accord, mais enfin, Nous, on n'était pas prêts. ouais, mais Hein. il Moi, j'ai les a pas pas fait. passés si lentement que ça. J'ai pas fait gaffe. Bon, peut-être, oui, non, mais peut-être que t'es pas une machine, mais t'es quand même une machine. Je sais que t'es pas un si long, j'ai déjà. On se connaît assez pour que je sache que t'es pas un si long, mais t'es quand même une machine. C'est tendu, hein. Ouais, c'est chaud. Bah, tu vois, il maximise quand même les attaques à la Rosetta. Il essaie de. Et d'économiser ses cartes, hein. Ouais, il faut les économiser. Hein. Bah, si il a compris que son adversaire était parti sur ce plan-là, Ah, il bah, va je pense suivre. qu'il a compris depuis le début, hein, mais. Peut-être que, ouais, à partir du moment où il a compté, il s'est rendu. Donc, si Cartanos a bien compté, je pense qu'on peut lui faire confiance. Parce que c'est un si long. Non, je rigole. Il a 4 cartes d'avance, donc à part s'il a side-in plus de cartes, mais ça c'est impossible à savoir malheureusement. Il connaît la défense, mais Oh, pas ce qui il a se pas compté le deck. passe. Ouais, c'est la carte MVP du deck, c'est la carte MVP de tellement de decks en fait. Allez, encore un peu, Allez même Chris. ça faisait longtemps.
Same player plays again. Oh, Lightning Surge depuis Lightning Surge l'Arsenal. depuis l'Arsenal. C'est vrai qu'il n'a pas pensé à activer son Skullcap. Il aurait pu pitch 3 avec Skullcap, effectivement. Je crois que les gens ont tellement pas l'habitude Non, mais c'est qu'ils vrai que oublient. Skullcap, on oublie. Et puis surtout, peut-être que quand tu joues Reinhardt, t'as pas trop l'habitude d'être derrière. En fin de partie, J'adore. si, t'as tout, oui. Enfin, vu que tu perds beaucoup aussi, quand même. Il full défend avec son Fate Forcing. Il opte. Fait, les gens activent tellement là, jamais le Et tu lis Skullcap. pas, tu lis jamais entièrement la carte. Les gens ont oublié qu'il y avait une Oui. deuxième ligne sur le Bien sûr. Skullcap. Il n'en veut pas. Non, il set up le dessous de son deck. Il veut pas le Il défendre avec. en veut pas tout de Il suite. veut attaquer avec. Et merci de nous suivre, Brésa. C'est tendu en tout cas. Y a encore un plein de run. Il J'ai l'impression, c'est y bizarre en parce a que eu j'ai l'impression qu'il en quelques-unes. a joué 28. Je pense que c'est pas légal un deck avec 28 plunder Tu run, plaides. il faudrait appeler Emilien. Je crois qu'Emilien est à la table. Et bien sûr. Peut-être qu'il compte les plaines de run. Emilien veille. S'il avait vu passer les 28 plunder run, il aurait hurlé. Alors attends, on est quand même toujours sur l'Arcanic Shockwave. On est désolé, hein. C'est vrai que j'ai laissé tomber un peu le. Je vais attendre la prochaine carte. Peut mettre nos têtes. On peut mettre une tête, c'est mieux ou pas? Je sais pas. Ça, c'est Arrête, beaucoup. on est tellement beau. Ouais. Petit coup de Rosetta. Bah, du coup, Rosetta à deux. Hein. Au bout d'un moment, ils vont faire ça, mais c'est ce que disait Tagore, je crois, en début de Mais là, game. du C'est coup, qu'au bout elle d'un pitch trois moment, cartes. Hein. la Rosetta, ça met deux dégâts à la fatigue et le Romping Club, ça met quatre. Il lui reste toujours ses équipements. Ouais. Donc il reste deux sur les. Enfin, trois sur les bottes, du coup. Un sur le Skullcap. Et un sur la tuque. Et un sur le chip. Ça y est. Ça y est, la question était posée. Je vais aller voir. J'ai oublié de commencer à compter. Alors, on va avoir l'information. Alors, ça, c'est vrai que dans ce genre de partie, c'est ça qui compte en fait. Je te fais confiance. Oui, je suis d'accord avec toi, car s'il y a d'autres gens qui étaient là au championnat de France de Nantes, je sais pas, ça doit être en 2014, le Trône de Fer, du LCG Trône de Fer, je pensais 21 pour l'avoir pas. Briard et 23 pour Reynard. Ah, il est deux cartes devant à la fatigue, mais il a dû rentrer des cartes. Voilà. 21 à 23, donc 21-23. Reinhardt est devant de deux cartes. Mais Christian va piocher là. Il Encore va plus en piocher. fait. Parce qu'il a pioché plus de cartes, c'est mort. Quand tu fais rien, tu pioches pas de Ouais, et là cartes. il vient de C'est la pitcher règle du 3, jeu. il vient de pitcher 3, donc en fait c'est équilibré. Hein. Est-ce qu'il reste. Est-ce qu'il reste des rites à Bria? Surtout, Des rites? pas. Qu'est-ce que tu appelles des rites? Ah, il y a les Evergreen, mais je pense pas qu'il les Peut-être qu'il a. Je sais pas s'il a rentré les Evergreen, mais en tout cas, il joue deux Evergreen. Et on n'en a pas vu pour le moment, hein. Il n'en a pas pitché, il n'en a pas joué. La carte qui permet de récupérer des cartes dans le graveyard. Je crois que Ouais, c'est mais une il n'en joue shadow. pas. Hein. Il n'en joue Mais... pas de ça. Rite of Renewal, un truc comme ça? Recherche rite. Replenishment? Non. Non, il joue pas, ça Si. coûte trop cher. Ouais. Hein. Non, il joue pas de Rite Ah of non, ça coûte Replenishment. deux, beaucoup trop cher. Tu vois, dans quel monde t'as vu que les decks Briar avaient envie de Il payer peut pas payer. Il avaient peut pas envie jouer de un payer truc à deux deux. pour leur truc. Il en joue pas, non, je peux le confirmer qu'il en joue pas. Enfin, c'est C'est trop ça, cher. voilà. Ouais, exactement. Il ne joue pas Donc ça, et donc ça y s'attaque est, au club. encore un club. Faudrait que j'ai un bruit pour le club. Je mets club. Ponk. Franchement, ça doit quand même faire super mal quand tu vois l'illustration Bon, là. le T'as vraiment sigil. pas envie de te prendre ça. On les a pas Même du comptés. côté, tu sais, même du côté où il n'y a pas la pointe, ça va quand même faire mal. Il y a des dents et tout.
Pourquoi il n'a pas prévenu qu'il avait du mal à foutre? Il est Evergreen, ouais. Rite of Replenishment. Ouais, il a deux Evergreen rouges. Je sais pas s'il les a rentrés. Bah, on les a pas vus pour le moment, bah, après c'est difficile à dire, hein. Soit il les a pas piochés. Ah. Ouais. Nimbism, Ravenous Rabble, il avait les exécutes qu'il avait pitch en début de game, je crois. 4 et 3, ça attaque pour 7. Ah, il avait oublié le compteur de la tunique, effectivement, s'il s'en souvient. Ça se joue pas. Ah ouais, c'est pas pour ce match-up, je pense. Là, tu t'attends pas forcément à aller à la fatigue contre Reinhardt, mais... Par contre, j'ai pas compté les sigils. Mr. Cakes qui est tout excité de voir une attaque de Reinhardt. En tout cas, s'il arrive à gagner la fatigue, ouais, on pourra ça sera donner tellement le master, premier prix de patience. Champion du monde de patience. Champion de France de... Il sera champion de France de Flesh and Blood, mais champion du monde de patience. Et là, défend avec un barging beatdown. Donc effectivement, ouais, il va probablement jouer uniquement sur la fatigue, parce qu'il va pas pouvoir attaquer beaucoup. Enfin, il aura pas de très très grosses attaques à part son... On a il aura son club. De Fortiné de Singbilo. Il a stack des bleus. Ouais, il a stack les bleus. Il stack des bleus, mais il a pas d'attaque, quoi. Il s'en fiche. Il va attaquer. Ouais, non, mais manifestement, il s'en fiche, mais... Est-ce que ça suffit? Voilà, et là, il commence à attaquer qu'avec la Rosetta. Il a compris, Chris, qu'il fallait qu'il passe notre braquet. Faut ralentir. Il reste combien de cartes en main là? Parce qu'il est devant en point de vide maintenant, donc ça devient une ressource. Un peu plus les mains. Mm. Il reste 3 cartes en main. Ah. Moi aussi, je veux savoir ce qu'il reste. Le Fate Forcing. Je crois qu'il reste pas mal de movable qu'on n'a pas vu. Ouais. Sans Fate Forcing. Non, toutes les Fate Forcing sont passées. Et les Singbilo, il y en a 2. Je crois qu'il ne reste plus de Singbilo. Ou il n'en reste que 1. Il prépare. Voyons voir. Et on en est à un stade de compter ce qui reste. Hein. Mm. Il défendait beaucoup plus facilement les attaques action. Maintenant, les Rosetta, t'as vu, il aime pas défendre. Ah, il y en a un qui met 2, l'autre qui met 4. Hein. Ouais. Encore 18 sur Grotio Rich. Non, il va jamais accepter. Hein. Il a son Null Run Gloves. Il va jamais faire ça. On est à un spectateur d'attendre les 60. Oh là là. Ça, tu sais pourquoi on n'est pas à 60? Parce que la famille Duruy s'est pas mobilisée, et ça je suis vraiment très déçu. Il suffisait qu'il loue, je sais pas, la salle des fêtes locale, qu'ils se mettent tous en mode LAN sur leur ordi. Il faut que chacun se connecte pour que ça compte comme des spectateurs différents. Lancez les iPhones, vous mettez ça en fond, même si vous ne regardez pas. Ok. Allez, c'est parti. Alors, Plunder Run. Ah, le Plunder Run, mais là, est-ce que t'as envie est-ce que t'as envie qu'il hit l'attaque du Plunder Run? Deux Plunder Run. Et l'autre, il est rouge. Là. Ah, est-ce que tu veux prendre un pour faire piocher? Le problème, c'est que la pioche... Ah, il y a Exult. Ouh. Je suis la tech. Et elle va commencer à faire des dégâts. Affiche-nous Exult, confirmation. Qu'elle tape à plus 1. Elle tape à 5. Hyper jolie card. Et puis c'est vrai que quand tu vois le personnage, ça donne bien le thème de la carte. Poster ou quelque chose elle a l'air vraiment, en pleine confiance. Cette guerrière, cette Runeblade, ça doit être une Runeblade, ça. Ça a l'air d'être une... Non, on arrête.
Terrain Oh vague. non. Ah non, ah non, ah non. Tu peux aller voir, s'il te plaît. La batterie! La batterie de la Salut. caméra! Oh, je suis désolée. On va essayer de réparer cette caméra tout de suite. Kevin s'en occupe. C'est notre batterie en or, mais c'est Oh, une autre caméra? là-bas, mais elle Récupère. n'est pas installée, quoi. Ben, installez là. Alors, désolé, un petit. On est en cours. Ouais, c'est toujours au pire moment. On est vraiment désolé. On a une locataire de matériel qui nous a loué une batterie défaillante. Et du coup, ça nous a coupé. C'est parce qu'ils prennent beaucoup trop de temps aussi. S'attendait pas à ce que ce soit aussi long. So we are working on the camera. Sorry guys. We are on it. We stop the game. The room that kills the camera. On va installer une caméra rapidement. No, 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 no. We'll probably stop the game. Sorry, guys. I will ask if they need a camera. I'm coming back soon. Non, en fait. So they are finishing the turn, so I can say what's going on. The exit confidence was not pumped, it was blocked. And then he play nimble strike blocked with the skull cap and sink below. And then there was an attack with the weapon. And now we are waiting. We are stopping the game and putting on another camera.
Le son. Ah, voilà, le... Voilà, désolé. C'est... On vous expliquait ce qui s'était passé sur Voilà. le. So, previous turn C'est... was not happening so much. It was the exude confidence. Then a Nibelist strike boosted with a Nibelisme. And then a weapon attack. Rosetta Thorn attaque. Hein. Yep. And then we stop the game. We put back the camera on. So you don't miss that Yeah. much. Et ce que je disais en off, évidemment, vous avez pas entendu, mais ce que je disais, c'est que Étienne n'avait pas l'air très convaincu par sa stratégie et il pensait que ça n'allait pas passer. Il a dit, ça va pas le faire. On va voir si ça le fait. Oh, and Le c'est le Mvabel de deuxième jeu. l'Arsenal et un petit coup de Rosetta Thorn pour compléter cette chaîne. Two and two. Donc c'est bah il n'y a pas de ouais ça va faire que deux dégâts de physique. C'est pas ça, ça va Il est suffire. terrible hein, ce deck Braillard. Regarde comme il enchaîne les attaques et il n'utilise Il a pas pris. tant de cartes que ça. Comment? Ouais, je sais pas du coup si c'était la bonne stratégie de la part d'Étienne, mais C'est je pensais difficile à qu'il dire. savait ce qui se passait, mais. Bah, c'est ce qu'il a tenté de faire en tout cas, mais peut-être qu'il s'attendait pas à une telle consistance dans les attaques de son adversaire. En tout cas, il stick to the plan. Maintenant, il Ah a ouais, il se... raison. À partir de là, c'est il se... trop tard. Ouais. Hein. Il est trop Ah, je engagé. pense que dans ce genre de situation, il faut, faut rester dans la même optique. Après, il faut savoir que Christian joue une liste Ah, un petit peu regarde, il a différente. vraiment Hein. peu de cartes, hein, Christian aussi. Il est en train de cycler les civils. Hein. Ah oui, il s'en sert pas pour défendre puisque son adversaire n'attaque pas. Ah, là, il va Oui. avoir, pouvoir défendre avec un sigil. Il y a un petit point qui va passer. Là, il peut se permettre Non, il peut utiliser de prendre tout la rage. tunique. Voilà. Ah oui, effectivement. Franchement, si ça marche, on aura plus quelque chose. Il faut être puissant. Ah bah si ça marche, c'est une masterclass. Je peux pas te dire, je peux pas dire. Je peux pas dire si c'est. J'ai aucune idée de si ça va passer là. Il faudrait pouvoir compter les cartes à nouveau. J'ai l'impression ils continuent à être assez even en termes de cartes utilisées, en termes de cartes cramées, entre guillemets, chaque tour. Oula. Là, c'est le tour où il veut faire mal. Un rabble. Ah, moins 3. Il est moins gros. Du coup, ça fait du plus 6. Moins 3, plus 3, 8. Attaque à 8 sur Abel. Attaque à 8 quand même, petite attaque à 8 Gauguin, il lui reste une ressource pour la Rosetta derrière. T'attendais pas à un contrôle, Rina. Eh ben, écoute, lui non plus, ça se trouve. Je pense que non, mais je pense qu'il n'y a aucun moment où il s'est dit qu'il allait devoir contrôler à ce point-là, mais manifestement, il est parti sur ce il s'est plan. rendu compte assez vite qu'il allait pas On va voir pouvoir si faire ça grand-chose marche. d'autre. On commence à avoir des tout petits tours de Christian à chaque tour, mais Les tours sont plus il y petits, a mais plus ça défense reste quand qu'action. même des. Ouais. Mais Je ne sais pas malheureusement, à quel Étienne point est à Étienne 12, peut donc il peut contrôler. pas. Je sais pas Ouais. de quel point. Mais même Il est s'il met obligé de défendre. un gros pas, Christian s'en défendre, il peut encaisser deux gros Ouais, c'est tours. ça, Hein. ouais. Christian, il peut choisir de plus défendre jusqu'à la fin de la partie là et mettre que des coups de Rosetta qui vont être défendus par son adversaire. Je sais pas si. Et 4, une 5, attaque et un 6, coup de 7, Rosetta 8, peut-être. Mais 9, après, il a 10, plus beaucoup 11, d'attaque 12. action. 12. Il a probablement plus énormément d'attaque action. C'est ça l'histoire en fait. 12, il y en a. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 8, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13. 13. Ah! Et 13, oui, mais il en a une en pile. Donc ils sont à 13-13. So c'est even. 13-13. 13-13 cards. It's like 13 and 12 and 1 in the pitch. Ouais, c'est ça les noms. Il attendait que Vrillard brique, mais Vrillard ne brique pas. No breaking deck. Il panique, il vient de Il claquer sa avait king pour payé défendre l'arcane alors qu'il avait pitché un une bleue. unmovable avec le bleu. Ouais. Il lui restait plus de ressources. Ah non, avec le club, Ah oui, effectivement. ouais. Non, si. C'était Ah, il bon. faut Ouais, il savoir avait qu'ils sont attaqué. Ouais, c'est ça. fatigués Il avait aussi. pitché pour Hein. attaquer. Effectivement, il lui reste une ressource. Et il n'a jamais utilisé le spell cap aussi. C'était bizarre. Et là, il pitch du bleu et il pourrait prévenir Ouais. 100%. Rosetta, ouais, ça va être compliqué. Hein.
Ouais, ces points perdus, ils font peur, hein. Mais c'est Oui, peut-être le mais point de la il a différence. utilisé pendant son tour Tagore, mais ce qu'il disait, c'est qu'il a utilisé l'arcane, il a utilisé la ressource de cette unique pour défendre l'arcane du sigil, alors qu'il lui restait une ressource parce qu'il Ouais. avait pitché un bleu pour attaquer avec le club. Là, je pense qu'il c'est triste qu'il ne pense pas qu'avec son bleu, il peut prévenir les deux Drosetta, en fait. À chaque fois, il prévient que un. Et ça fait beaucoup de points qui sont passés pour ça. Force of Nature. Ah ouais, t'as raison. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Non, mais oui, il y a peut-être un petit décalage entre ce qu'on dit et ce que tu écris. Ah, le fait qu'il oublie que le cap, c'est compliqué. Et là maintenant ça va être quoi? C'est le moment où il se met uniquement à attaquer avec Rosetta. Du coup, ça aurait suffi s'il avait pensé à ça. Il a perdu quoi, 3-4 dégâts. Christian a compté, hein, et maintenant que Christian a compté, il a décidé qu'il allait, à mon avis, il va proposer deux arcanes à chaque tour. Là c'est qu'un d'arcane, il y a quand même une chance. Ouais. Ah, il y a quand même une chance. C'est un d'arcane et deux physiques. Il a toujours pas bloqué avec ses bottes, non? Non? Comment? Il a toujours pas bloqué avec ses bottes? Il a jamais. Non, il n'a pas bloqué avec sa botte, effectivement. Il y a trois points qui sont debout. Alors le point d'arcane passe. Oh, ça y est. La contre-attaque. On va Ah ouais, assister à mais la ouais, voilà, on va contre-attaque. voir s'il a bien setup le bas de son deck. Si les barrages arrivent là. Alors, attends, on va mettre la Rosetta parce que là on n'est plus du tout sur Ravenstrabble. C'est vraiment où ils sont dans le dur. Il faut qu'ils réfléchissent à chacun de leurs Et plaies. chaque carte va être Chaque carte importante. utilisée, ouais, devient critique. Allez, on recompte. Allez, on recompte. Bon, moi j'en ai 10. T'en as combien? Merci Copy Cody pour le follow. Et merci Finibi. 65 spectateurs. Merci Tarsine, mais alors ça s'enchaîne là les follows, c'est super. Merci à tous. Ouais, bah ça Merci à coûte tous des d'être cartes là pour dire. malgré en plus les problèmes techniques, c'est très cool. Allez. Et du coup, là, il a une main fou, là. Ouais, j'ai l'impression qu'il a une main. Ouais, Ça y est. il a défendu. It's time. It's time Il to va mettre un smash. coup de club. Ouais. En fait, il va nous faire le coup. En fait, ça, je crois qu'il est quasiment obligé de faire un coup de club. S'il ne peut pas arriver à la fatigue avant, parce que là, ce sont Bonsoir des grosses attaques. d'Australie, oh là là. Eh ben bonsoir, bonjour de la France. C'est la famille Durie qui vient de Parce que là, il discarde des cartes pour mettre une attaque. Il compte lui faire vraiment Mais 33 du points de coup. dégâts là, avec les cartes qui lui restent. Ouais, c'est tout le dur, c'est vrai. On Mais du coup, remercie le grand-père, le l'attaque a cousin, arrêté. la belle-sœur d'Étienne de Le venir gros sur coup le de chat. coquin. Oh non!
Yes, we are sorry for that. The battery is just deficient. On a envoyé Romain en reportage et je vais vous faire un coverage. On va voir. Yes, that's exactly what's happening. I'm so sorry, guys. It's a nightmare for us. You still have the point. Beau jeu de mots, beau jeu de mots. Oh là là. Vous savez quoi, on va investir dans une batterie de caméra. Si vous savez pas quoi nous offrir. Yeah, I think there were a big attack. Yeah, I think it didn't block the weapon attack. Yes, she took the full damage from the club. Yes, we are going to something. Let me do that. Here we are. We are always trying to have something like that. On s'en sort, c'est très bien. Ouais, on est désolé, on se fait attraper par la technique, du coup on est obligé de faire un peu de bricolage. Mais on a les points de vie, on a à peu près ce qui se passe à l'image, et on va essayer de vous contenter ça au mieux. Ouais. Du coup par contre c'est inversé, hein. Ça, il faudrait peut-être l'indiquer, ou tu inverses l'écran. Inversé verticalement. Ah non. Ouais, c'est possible que Brière gagne la fatigue. Alors, je sais pas si on en avait parlé tout à l'heure, Tagore, mais Brière a déjà gagné la fatigue sur la ronde précédente contre Katsu. Contre Katsu, qui a Voilà, cru contre Katsu qui a contrôle. pensé qu'il allait pouvoir. Il allait pouvoir le fatigue, mais il n'a pas réussi. Et Du en coup, fait, c'est peut-être Christian le sait que meilleur son plan deck qu'on peut peut gagner la faire. fatigue. C'est le plan où on voit la taille du deck. Ouais. Ah oui, regarde ce deck, Ah ouais, Katerina, on s'en on rend voit bien compte. effectivement qu'il y a beaucoup plus de cartes. Mais vraiment beaucoup plus du Non, côté de elles sont Christian. triple sleeve. Je C'est crois peut-être qu'il a ça. posé la question tout Non, à non, l'heure. mais oui, mais par contre, on voit quand même qu'il y a plus de cartes. Yes. Au moins, vous avez un aperçu du trophée aussi. Ouais. J'ai pris en photo aussi, je l'ai mis sur Twitter, donc on peut le voir. Yeah, I think Briar wins now. And I think C'est we will pretty ask both obvious. players to be there for the Yeah, ouais. interview. On va les interviewer, ouais. Donc là, ça va se finir en coup de Rosetta. Yes, so, peut-être que ça va marcher, Zawa. Écoute, il s'est beaucoup entraîné. Voilà, c'est ça. Voilà, il faut qu'il n'utilise que son club pour pitch. Il va se prendre quelques dégâts. Ouais, c'est ça le problème, c'est que en fait, en vrai, même s'il attaque pendant 7 tours avec club, il peut Bah, en juste se fait, il va permettre falloir de qu'il le utilise des prendre. cartes pour défendre, et il en a peut-être pas assez pour. Tu vois, il peut quand même prendre très très cher là s'il défend pas Il bien. peut ne Il est pas à 7, il est défendre qu'à en fait, 7. Briard. Il a trop de points de vie. Là, regarde, il C'est la arrive au fin. bout de son deck. C'est la fin du deck. Il utilise un minimum de cartes, effectivement, Ah, mais il mais va les être obligé d'en Scarf utiliser Forestar, pour ils sont pas défendre. prêts. Hein. Il peut pas le finir à la Rosetta. Mais il peut pas le finir complètement à la Rosetta, mais Yes. il lui fait cracher des cartes en défense, quoi qu'il arrive, hein.
Il en a vraiment moins là. Alors, bah là, il met un coup de recette avec un enchant. Tellement tendu. Ah ouais, ça va. On sait pas ce que ça va donner, on sait pas. Ah mais je suis d'accord, hein, mais j'ai Il reste l'impression que quand même des qu'il cartes a. dans son deck, hein. Je sais pas comment il met les J'ai champs l'impression quand même avec. qu'il a plus de deux fois plus de cartes là. En fait, c'est pas tellement deux cartes, c'est que en fait Briard peut se contenter de ne pas bloquer. On peut parler trop fort Hein, parce que... C'est devenu super silencieux dans la salle d'un coup parce qu'ils ont mais... lancé Il y a le des draft. ça draft à côté. On va parler le plus doucement possible, mais en même temps. Ça y est, c'est le retour de l'ASMR. Renard, il a plus de cartes dans son deck. Il lui reste 4 Il lui cartes. reste 4 cartes. Ah, 4 cartes, il y en mais a combien? il y Ah, en il a n'y en a que 5 de 5. l'autre Il n'y en a côté. que 5 du côté de Oh là Chris. là 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 là. Oh, Oui, mais au c'est bien final, il faut tendu. combien de tours de club pour mettre Ah, il y en a... 23 points? il lui en reste 4 dans la main. Enfin, il vient de repiocher, c'est pour ça. Il y en a une d'Arsenal. Coup de club. Bah, voilà. Je crois qu'il faut juste le prendre, maintenant. Tu le prends et tu mets un coup de Rosetta, je pense. Hein. Avec une activation de Grasp. En vrai, je pense que c'est ce qu'il faut faire à tous les tours. Problème de l'activation de grâce, c'est que ça lui donne l'occasion de pitch aussi pour. Pour Mais bon, prévenir. pour revenir. Mais bon. Qui pitch ou qui n'utilise pas la carte, ça c'est Oui, pareil, quoi hein. qu'il arrive, c'est la même chose. Tu veux juste passer le maximum de dégâts et au final, ça veut dire qu'il pitch 3 de prévention. Je sais pas. Les pio en ASMR. T'inquiète pas, j'arriverai à faire ça au National Belge la semaine prochaine. Ouais, il a clubé Mais vers trop tard. De toute c'est que façon, je constate on va essayer d'avoir que les... les End Twilight Lightning en ASMR, ça suffisait pas à Ruven. Il lui faut des pieux. On fera, je pense, venir les joueurs pour qu'ils nous expliquent un peu comment ce match-up s'est passé et est-ce qu'il y a une autre stratégie possible. Et oui, c'est tout mon deck. Là, j'ai des cartes, et dans la pile du bas, j'en ai plus. C'est dur. C'est dur, c'est dur. C'est terriblement dur. Ah, mais il a une carte en... Les deux ont une Mais en carte même en temps, c'est ça arsenal. qu'on aime dans ce jeu, c'est que quand t'arrives à la fin de la partie, t'as plus aucune ressource. C'est vraiment, t'es le guerrier tellement épuisé qu'il a plus d'idées sur comment se battre. Runechant, Rosetta. Ouais, ça va être ça jusqu'à la fin de la game, hein. Face à Roombin Club. Ouais, c'est ce que dit Qui va Tagor. s'épuiser en premier. Chris a switché très très vite sur le même Ouais. Rosetta. Il a compris que ça allait jouer. Et c'est le premier qui a commencé à compter ce qui allait se passer. Ils ont toujours pas utilisé leur tunique. Alors, voilà, il pitch pour prévenir le dégât du Runechant. Ah mais tu vois, Et il je va pense utiliser qu'il une va carte pour perdre à défendre. cause de d'avoir oublié qu'il y a Arcane Barrier 2. Il défend avec la botte là, effectivement, il lui reste les bottes. C'est triste d'oublier ce skull cap. Bien. Et là, le truc, c'est que ouais, le point de vie, c'est une ressource en fait. S'il veut utiliser. Il va pouvoir se prendre. Bah, ça fait combien de coups de club? Ça en fait 5. Il peut s'en prendre 5 sans réagir, sans rien faire. Et en fait, il est obligé de défendre à chaque fois. Enfin, il n'est pas obligé, mais. Il peut s'en prendre que 4. Même moins que ça, ça tape à Il 4. peut s'en prendre que 3. Voilà. Il peut s'en prendre que 3 avant de mourir. Beaucoup plus, il peut en prendre 5. 5 fois 4. Non, je parlais en face. Étienne, il peut se prendre que 4, que 3 coups de Rosetta avant de mourir. Ah oui.
Oui, alors Ah non, il reste la tunique. Il et reste la en vrai, tunique. je pense qu'il a perdu sur ce skull cap. Parce que les. Alors 4-5 damage, c'est ce qui aurait manqué, je pense. On va peut-être pas lui dire. Le pauvre. Alors, quand ce qu'on va faire, c'est que quand c'est le tour d'Étienne, je vais mettre un club. Je vais afficher le club. Et quand c'est le tour de Chris, Attends, la caméra, je vais elle va mettre la bouger. Rosetta. C'est pas ça? Ah non, il s'est juste avancé, je pense. Oh là, une grosse attaque là. Il veut accélérer à la fin de la partie là. Il met ses cartes en défense. En Enfin, il fait, lui met il a ses compté qu'il cartes n'y avait pour pas suffisamment de qu'il la cartes en tourne face pour le défense. tuer, en fait. Comment? Il a compté qu'il n'y aurait pas de cartes, suffisamment de cartes en face pour le tuer, je pense. Parce que là, il le force à cracher. Il y a un Force of Nature. Il a deux compteurs plus que le cap. Hyper studieux dans la salle. Ouais, tout le monde est très sérieux. Sais pas si vous avez entendu d'un coup le niveau sonore ici, il est descendu. Il a utilisé Skull Cap en défense physique deux fois. Les seuls équipements qui lui restent, c'est un sur les bottes et un sur la tunique. Et en vrai, je pense que sa stratégie aurait marché si elle avait pensé au Skull Cap. Il faudrait faire un rematch. Tu vas être fatigué aussi. Ouais. Ouais, qu'il réfléchisse. Il défend quand même avec une carte. Il va peut-être passer. Ah, il a Oh, il restait le le dernier Springbow Spring, Somersault Spring Sword. Ouais. qui était dans l'arsenal. Du coup, il bloque à 7. Oh, qui hésite à booster le Exu de Confidence. Alors, il n'y a plus de carte en main, ça. Il a la tunique. Je crois qu'il a une ressource flottante, non? L'Embodiment of Lightning qui part. Il n'y avait plus de ressources, hein, donc c'est fin de tour. Oh, il a. Weekend avec le Il token lui reste quoi de pour attaquer? le token a Ah, mais donné il attaque avec quoi? Il n'a pas de ressources. avec Rosetta. Il n'a pas de ressources. Il a la tunique. Ah, il a la tunique d'activer. Regarde, c'est mon deck. Oh, it's a final. It's not time. Alors ouais, effectivement, il pouvait mettre un peu de Rosetta. Ouais, c'est la logique. Et du coup, ça fait trois cartes qui sont parties, bah trois cartes de chaque côté finalement. Il accélère, il veut accélérer à la fin de la partie. Et deux. D'Arcane. Non, il en prend qu'un. C'est fini. On va assister à une agonie lente et Ouais. douloureuse. He was only having one resource left, so he cannot pay for the confidant. No, no card left.
Et c'est les dernières cartes. Actrice. What's going on? Un coup de club, hein? Voilà, c'est Allez, parti. Bah, qu'est-ce qu'est-ce que que tu c'est? fais, Chris? Tu fais le Dis-moi bloc ou plus. quoi? Ah, ça va se jouer au à l'Arcane Barrière. Ouais. Alors, fatigue tous les deux, je ne sais pas ce qui se passe. Et voilà, le coup de grâce avec Lorine Chante et une attaque de Rosetta. Arcane Barrière, il pitch deux cartes par tour et ça suffit, non? Ah, mais il faut Mais qu'il non, il bloque faut le que les Rosetta gars physiques aussi. aussi. Ah oui, mais il y a trois tours, je sais pas. C'est tendu. Ah, je sais pas si vous voyez comment on est tendu. Non, vous pouvez pas voir comment on est tendu. On est tendu. Ah, je devrais mettre la Rosetta là. Ouais. Hop, voilà. C'est le tour de la Rosetta. C'est le tour de la C'est pas le tour du Rosetta. club. Ah ben oui, il attaque pas avec Rosetta là. Ah, avec un exude, il Il a un autre attaque. exude. Tu peux afficher Ah, il exude. le force à overblock en fait. Il lui dit si jette deux bleus, t'as perdu. Il l'a en plus. Il lui dit si tu bloques 4, si tu bloques 4-3 et que j'ai 12. Normalement, en regardant les cartes, tu peux savoir quelles sont ces deux cartes en main. Tu pourrais savoir quelles sont les deux cartes en main. Ah, vraiment, c'est une question. Ah. Et c'est un lightning presque, comme ça. Alors. On entendrait une mouche voler, vous savez pas comme la Non. tension est là. Moi j'ai faim. Oh, I think he decided not he has to, yeah. nothing, I think he no asked attack him reaction. and he decided not to buff it. I think it's done. Je pense que c'est fini. Ah, la tunique. Et les derniers points de défense des bottes. Bloc à deux, il reste deux à bloquer. On n'a perdu qu'une carte, il lui reste un barrage build down. Que deux cartes en main. Là, il a pitché une carte, donc il lui reste trois cartes. Et une dans Quoi qu'il l'arsenal. C'est dur. C'est si dur. Du coup, les cartes qui restent. Ah, tu sais pas, est-ce qu'il faut jouer le Il a, boost on ou voit un pas? lightning press là. Est-ce qu'il faut jouer le boost? Après, votre carte qui reste, c'est une bleue. Il booste. Le pitch pour le booster, il met deux. Il a dit une fois jaune, donc il peut encore booster, je crois. Il peut pas booster avec le lightning. Il peut l'utiliser par contre pour. Non, non, elle est Ah jaune, non, mais bah reste oui. une ressource, donc s'il peut. Réfléchit. C'est létal ou pas? Donc pour 5. T'as qu'à 6 là. Tu prends 1. Est Il apporté attend de peut-être deux que ce coups soit de létal. Hein. Lightning Press. Tu peux m'afficher Lightning Press? Ça peut booster une weapon. La jaune, la jaune. Ah. Booster la weapon avec. Non. C'est pour ça qu'il a hésité, ouais, il a hésité soit à lui mettre les 2 points de dégâts en plus maintenant.
Ah, on voit pas la carte, malheureusement. C'est un attaque de club, je crois. Ah, non, Ah c'est... non. C'était... Ah. Malheureusement, on ne peut pas Il a joué un rater Last sur ce Ditch coup. Effort, voilà. Il a joué un Last Ditch Effort qui avait Go Again, parce que son deck est vide. Avec un Last Ditch Effort, Il a tu peux le. attaqué Tu avec... peux le. Ouais, je vais la mettre. Est-ce que la carte va faire. Bah c'est Est-ce que ce vraiment Last Ditch littéralement, Effort elle est vraiment faite pour ça quoi, va c'est faire ce qu'elle est Last censée Ditch faire? Effort. Du coup il reste deux cartes. Et je pense qu'il est en mode bon bah c'est triste. Bon bah et hop, c'est reparti. Je pense que c'est le cas, Tagore, effectivement. Là. Peut se... Ah, il attaque avec le snatch. C'est fini, là. Et là, il est obligé de défendre avec les deux. Il peut pitch, prévenir 1. Il perd sa carte. Il perd la dernière carte, il pourra Je plus pense attaquer. que c'est parce qu'il. Ouais, je pense que c'est fini, il s'en rend compte là. Je sais pas ce qu'il a, ce qu'il lui reste en main, s'il peut attaquer avec. Si... Faut Non, il n'y a plus que ce rien. soit de la jaune ou de la bleue, quoi. Mais il fait passer les dégâts quoi Il a qu'il perdu arrive. sur De toute Skullcap. façon, Chris Il a n'a perdu plus rien à sur faire. les points de Skullcap. Chris, C'est donc. triste. Landing press. Non. Il le ferait passer à 1, il lui reste une carte. Voilà. Félicitations à Christian qui s'impose au terme d'une Je partie vais aller les chercher. incroyablement intense. Je C'était vais aller les chercher. waouh, c'était fou. On y a cru jusqu'au bout, hein. Et je pense Ça s'est pas joué à que grand-chose. je pense que s'il avait payé les Ouais. arcades, c'était bon. Alors on va, Je vais aller les Aurélie chercher. va les chercher, va voir si on peut avoir une petite réaction. Un chaud. À l'issue Je fais de ça, cette game. recevoir les deux, Ouais. et la chercher. Bon, n'hésitez pas à nous dire dans le chat ce que vous avez pensé de cette game. Assez épique, il faut bien le dire. On va aller chercher Christian et Étienne. Ah, ouais, effectivement, je pense qu'il aurait pu gagner, mais voilà, ça se joue aussi là-dessus, quoi. C'est le joueur qui tient le mieux à la pression qui gagne parfois, et ça fait partie du jeu. Ça fait partie de tous ces jeux de cartes. Ouais, super tournoi. Bah, super tournoi pour les deux. Et Christian, donc, Christian, le joueur avec le plus de points selon les standings LSS qui s'impose donc pour ce premier championnat de France. Ce premier national et qui devient notre champion. Putain, je pense celui qui... Voilà, c'est ça, ouais, c'est celui qui fait le moins d'erreurs, celui qui tient le mieux à la pression, celui qui reste stoïque quand ça commence à devenir un peu chaud là. Et effectivement, je pense que que Christian ait décidé de switch assez rapidement sur des attaques à la Rosetta au lieu d'essayer d'enchaîner les 2, 3, 4 attaques. Avec ses attaques action, ça l'a sauvé. Ah ouais, on a hâte de voir ça ici, Frosto. Alors la prochaine fois, les Durby ils vont venir à 8. Laissez-moi vous dire qu'il n'y aura plus de place en top 8. N'y aura plus de place en top 8, il n'y aura plus que des Durby. Aurélie. Romain, dis-moi. Alors, t'es allé les chercher? Ouais, ils arrivent, ils sont un peu fatigués. Ils sont un peu fatigués, on peut Ils les ont comprendre. quelques détails logistiques à régler au niveau des prizes. Et Niveau ensuite, D? ils viennent nous voir au niveau des prizes. Ok, pas de Et soucis. ensuite, ils viennent nous voir. Ok. Ok? Ouais. Alors, y a une promesse de Icy Frostone, le petit frère d'Étienne et de Simon, qui a promis que les Durui allaient revenir plus fort.
s'est vengé. Le rond s'est vengé. Je vais prévenir Christian que toute la famille est sur le coup. Ouais, c'est ça, Tagore, t'es foutu là. Il y a Chris, il y a Big Bang, donc t'as un énorme joueur de Viscera, un énorme joueur de Brillat, et puis en plus, quand il joue en Blitz, il joue Ira, donc il triche. Donc, tous non, ces tricheurs pour de le joueurs coup, d'Ira. Ce que je trouve dommage, c'est que je pense que la stratégie de Reynard aurait pu fonctionner s'il avait pensé Arcanis Skullcap. Parce que ça s'est joué à quelques points de vie près. Ouais, bah il va nous expliquer pourquoi il l'a pas fait, s'il y a pas pensé ou si c'est juste qu'il avait décidé de partir sur un autre truc. Non, je pense qu'il a oublié. Ah, ils sont en train d'ouvrir Ils ouvrent leurs cartes. Yes, je vais leur demander de les montrer en game. Ah oui, c'est le gagnant qui choisit laquelle il va prendre. Et il y a un masque, c'est ça? Je me semble avoir vu un masque et une crown. Ah ouais, bah Chris, évidemment. Chris, grand joueur d'Ira, qui récupère. Bah c'est le destin, qui récupère un Mask of Momentum en gold foil. C'est magnifique, hein. Qu'est-ce que t'as à dire à Tagor sur ce masque? Tu kiffes ou quoi? Non, c'est pas sympa. Je suis désolé, Tagor. C'est pas sympa de faire des vannes là-dessus. Alors le masque gold foil qui est sublime, sublime. Et en face, c'est la crown qui doit être pas mal aussi. Alors j'ai hâte qu'il nous la montre. La crown en gold foil, ça doit être vraiment pas dégueu. J'ai hâte de voir ça. Je kiffe le joueur. Elle va arriver la tienne, c'est pas possible, ça peut plus durer cette histoire. Et au pire, il faudra faire une levée de fonds dans la communauté pour que Tagore ait enfin un Mask of Momentum et qu'il puisse jouer Ninja comme les meilleurs. Ouais, Kazul, il a sorti son portefeuille, il attend à la sortie et il est là. Bon, les gars, qu'est-ce que vous faites? C'est combien? Il a le stylo déjà posé sur le chéquier, il a juste à signer. Ah, surtout le masque, c'est incroyable. Et c'est tellement bien que ce soit Chris qui récupère ce masque là. Je pense que ça va bien l'encourager à rejouer Ira pendant les quelques années qui arrivent. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Card Trader, je sais pas si Card Trader c'est la meilleure solution. Essayer d'en trouver un dans un shop en France, peut-être. Ou d'en racheter un à... Bah Chris, il aura plus besoin des autres. Je sais pas combien il en a, Chris, mais peut-être qu'il en aura un à te vendre maintenant. Il a peut-être pas besoin d'en avoir de toutes les couleurs, des rainbow, des cold, et un gold. Ça va peut-être aller au bout d'un moment. Il a pas, c'est dégueulasse qu'il ait le monopole. Là. Tous les masques. Bon, n'hésitez pas, alors c'est le moment. Si vous avez des questions à poser à Étienne et à Christian, n'hésitez pas à les mettre tout de suite dans le chat. Je leur poserai dès qu'on aura fini l'interview. On va faire une petite interview rapide, tranquille. Comment? Ils partent aux photos. Ok, super. Ils vont faire des photos, ils arrivent, après on fait l'interview et je leur poserai vos questions dès qu'ils seront avec nous. If you have any questions for the champion and for the finalist of the French Nationals, don't hesitate and type them in chat right now and I'll ask them as soon as the guys arrive. They want to take photos for the official... For the official website. It was hard to see what the card was, but I think it was a crown of thorns. Is it crown of thorns? Crown of seeds. Yeah, crown of seeds. Et on l'a pas vu parce que la caméra était orientée de telle manière qu'on voyait pas bien, mais
it looked magnificent. Ah, les dons, c'est ça que tu dis, il a failli jouer Prism. Chris. Bah, effectivement, mais bon, il serait. Ça aurait pas été le même tournoi, quoi qu'il arrive. Peut-être qu'il aurait même pas fait finale, tu vois. Il y a eu aucun Prism en top 8. J'ai pas vu ce qu'a fait Swaffy, je crois qu'il était plutôt bien placé, mais il me semble qu'il a eu un draft un peu compliqué. Et peut-être que c'est ça qu'il a abattu. Qui l'a empêché d'aller en finale. Alors, que ça s'agite un petit peu. Alors, bon, je vois pas trop de questions. Bah, manifestement, vous estimez que vous n'avez rien à apprendre du champion de France de Flesh and Blood. Et bah, bravo, je vous félicite. Quelle Faire arrogance! prendre un poteau juste devant. Ouais, ok. Juste devant là, ça? Ouais. Ok. Ils vont faire les photos juste devant. Ah bon? Alors non, il me semble qu'on m'avait dit qu'il jouait Prism. Alors peut-être que je me trompe, je sais pas. Il me semble que Pedro m'avait dit qu'il jouait Prism, mais j'ai pas vu. Ah bah du coup j'ai les decks. Qu'est-ce qu'il jouait, Swaffy? Je le vois pas. Ah oui, il jouait Briar, effectivement. Alors, c'était qui les. Il y avait Antoine qui jouait Prism et Mathieu qui jouait Prism également. Ok, tant pour moi. Ouais, c'était effectivement Swaffy passé sur Briar. Il y avait un seul Kano qui était. C'est Marcel qui a joué Kano. Deux Uldim. That's it. Two Briar, two Rynars, one Katsu, one Bravo, one Dash, one Chain. Ouais, quand tu parles des modifications, Arlo, tu parles genre de. Des Chains of Eminence, ce genre de choses. Ah ouais, je lui poserai la question parce que j'en ai parlé en off avec lui, mais comme ça on aura la réponse en direct du champion. Il pourra nous expliquer un petit peu quelle était sa logique. Il braillard Pummel, ouais, peut-être. Je sais pas ce qu'il a trouvé à mettre dans son braillard Pummel, ouais. Probablement, on ne peut pas imaginer qu'il ait joué un deck sans pommel. Ouais, les Nimble Strike, Force of Nature. Mais les Nimble Strike, on en a vu, il me semble, dans votre deck. Je pense qu'il y en a, je crois qu'il y en avait au UK la semaine dernière. Mais je peux dire à 100%. J'avais pas regardé dans les détails toutes les listes. Et le Force of Nature, ouais, bah, ça faisait quand même pas mal le taf dans sa decklist. Ouais, Katsu, Bravo, Dash. Dash, c'était. Non, c'était. Enfin. Oui, c'est un deck plutôt contrôle. Bravo, évidemment. Katsu, je crois qu'il avait un plan de jeu. Il a tenté un plan de jeu un peu plus mid-range. Il a tenté de taper contre Chris. Il a mis Chris très bas, mais il a perdu la fatigue. Poison. Il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de son plan de jeu. Je crois qu'il était parti sur un plan de jeu un peu moins contrôle que d'habitude, mais ouais, c'est un deck mid-range contrôle à la base. Ouais, effectivement. Je crois qu'il n'y a pas besoin de. Y a pas de prix d'entrée, il suffit de crier très 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 fort. Et si t'impressionnes Silou, t'as le droit de rentrer dans la secte. C'est tout. C'est juste ça. Il faut demander au patron des brutes. Si t'es au level, quoi. Il faut crier très très fort. Et taper par terre avec un bout de bois. Si t'impressionnes Silou, tu fais partie du groupe. Yeah, there was still a lot of Briar, but
they got deleted from the tournament by our players. Il y avait pas mal de decks en fait qui avaient décidé de bien gérer le match-up. Et effectivement, notamment Pedro et Pierre Dagen qui avaient créé une decklist chain uniquement, enfin pas uniquement, hein, mais dans l'objectif de s'assurer des victoires contre Braillard. Et ça a marché parce que je crois qu'ils ont gagné. Alors, peut-être que Pedro a perdu une de ses games contre Braillard, mais Pierre Dagen a gagné ses deux games. Déjà, faut savoir lancer les dés, ouais. Si t'arrives pas à faire des 6 sur tes scapskins, tu fais pas partie de la secte, ça c'est sûr. T'es exclu direct, quoi. Il faut savoir faire des 6 sans avoir besoin de relancer avec les Gambler's Gloves. Et donc, ouais, pas de Lexi en tableau. On n'a pas vu de Lexi de la journée, hein. On a aucune Lexi dans les tableaux, si je ne m'abuse. Les holdings ont été au fond assez rapidement aussi, donc ça a été un week-end difficile pour eux. Bon, on en est où, Aurélie? Ok. Ils sont très fatigués mentalement. Je comprends. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, ça y est, ils sont en photo juste devant moi. Je pense que c'est pas tant que ça perd contre Briar, mais j'ai l'impression, enfin à première vue, hein, j'ai pas trop rejoué Boltyn, je vais être honnête, ces dernières semaines. Mais j'ai l'impression que ça prend encore plus cher que Briar contre les decks qui tentent de contrer Briar. Les decks Ice, ils font encore plus mal à Boltyn qu'à Briar. Donc je pense que effectivement les joueurs Boltyn ils se sont mis à jouer Briar. Les joueurs Boltyn, peut-être les joueurs de Katsu Aggro aussi, ils se sont dit que Briar ça faisait la même chose en mieux. Félicitations, c'est bien les gars. Je pense quand même que Boltyn Sabre, ça doit tenir à la distance, hein. Ça peut carrément race une barrière. Hein. Puis ça gagne des points de vie, quoi, un truc que barrière fait pas trop. Je rigole parce que je les vois face à moi. Ils sont en train de se faire tirer très tôt. Allez, va te la dire. Je ne sais pas les effets de l'herbe, je te le dis. Ah ouais, ça a gagné en Espagne. Bah ouais, on n'avait pas trop d'infos là, c'était difficile de les avoir. Donc ils ont fini plus tôt que nous, j'imagine. C'est trop bien. C'est ça. C'est exactement ce que dit Arlo. Ice et Prism, c'est l'enfer. Et je pense que Briar, elle a plus d'armes. Je pense qu'il manque quelques armes à Boltyn pour peut-être des plans de jeu un peu différents, un peu moins monomaniaques, pour qu'ils puissent s'imposer, prendre par surprise ses adversaires. En tout cas, les builds actuels, ils permettent pas de faire grand chose dans le méta, je pense. Aurélie, j'ai fait une bêtise. Aurélie, j'ai lock, c'est quoi le mot de passe? Je vais te taper, si vous n'y êtes pas. Tu veux afficher la necklist? Non, non, non. Okay. Comme ça. Super. Bon. Et regardez qui voilà.
Ce serait pas le champion de France de pêche à blood. Félicitations, Ouais, mais quel merci, game merci. incroyable. Ah ouais, c'était. Alors, je vais te poser les questions de base, tu sais, comme les commentateurs Ouais. sportifs après les rencontres sportives où l'athlète est crevé à la fin. Ouais. Comment tu te sens, Christian, Ah après cette finale incroyable? je suis rincé, on peut Ouais, tu pas. m'étonnes. Non, mais c'était. Bah, de toute façon, bah, tout le top 8, c'était des games Ouais, ultra. on a Ultra bavé. serré, ultra complexe, avec des decks variés. Et puis chaque game a été compliqué. Puis chaque adversaire était voilà, super doué. Donc c'était. Non, y a Ont pas eu tous une essayé de partie t'avoir la facile. fatigue. Ouais. Tout le monde avait une stratégie. Tout le monde avait sa stratégie. Et puis tout le monde l'a quand même à peu près bien déroulé. Et puis la finale, bah, c'était compliqué parce que Ah, tu j'ai. m'étonnes. Voilà, compliqué. À quel moment tu t'es rendu compte que ça risquait de se jouer aux cartes et on a vu que t'as arrêté d'attaquer avec tes attaques action systématiquement et tu mettais des coups de Rosetta pour essayer de pitch. Et en fait, Donc comment ça s'est déroulé? non mais Raconte-nous comment t'as perçu la partie, toi. et ben en fait, bah quasiment dès le premier tour ou Ah deuxième, je me suis dit que j'avais mal géré mon side C'est-à-dire? parce que je suis parti avec 62 cartes alors qu'en fait, voilà, sur un deck contrôle, je pars à 72. Ouais. J'ai des evergreen que j'utilise pour recycler et puis pour le late Ouais. game, et en Ouais, on se fait, posait la question, on se demandait si tu les avais mis, on les et en avait vus, fait, et donc ben non, ouais. je sais pas, j'ai joué à 62 cartes au lieu de 72. Putain. Et donc, en fait, et bah, je m'en suis aperçu quasiment au deuxième tour quand j'ai vu qu'il bloquait lourdement. Et puis, je me suis dit que c'était mal barré. Et donc, après, voilà, bah, après, j'étais plus les yeux rivés sur les cartes quasiment que sur les points de vie. Parce Ouais, que, tu savais que tu étais largement devant de toute façon, donc ouais, alors, non, j'avais vraiment peur de en termes de quasiment. points de Bah, vie, je veux dire, tu étais en point de largement vie, devant. ouais, Ouais. mais c'était les cartes. Hein, et Ouais. puis, je savais que j'avais 6 cartes de retard. Et donc, en fait, moi, ce que je comptais, c'était les cartes. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, j'ai rattrapé mon retard. Et après, je me suis dit, ah, ça va. Et après, je me suis aperçu qu'il y avait des lasdichés fortes. Ouais. Et là, je me suis dit, ah ouais, non, mais en fait, il y a encore autre chose Oui, tu te derrière. souvenais combien il en avait? Il y en a deux dans la liste, je crois. Non, mais je les ai loupés dans la liste, en fait, Ah aussi. ouais, tu Donc, les avais pas je vus. m'en suis aperçu tardivement, à un moment donné, quand ils pitchent. Mais alors là, pour Ouais. le coup, alors j'étais déjà en train de jouer un peu la gestion de la Ouais, fatigue. bah là, Mais en fait, je me c'était suis dit très clair. qu'il avait un plan, une stratégie très claire pour le late game. Mais alors là, je me suis dit que ça craignait Ouais. pas mal. Et que. Voilà, donc je suis passé par pas mal d'émotions quoi là, sur la finale. Je me suis dit que à un moment donné, je me suis dit que ça allait être T'as cru que compliqué ça allait quoi. t'échapper, ouais, à un Ouais, moment? parce qu'en plus je croyais qu'il avait encore deux. En fait, j'ai vu un Last Ditch Effort dans le cimetière et je pensais qu'il y en Ouais. avait encore deux dans la fin du deck quoi. Et en fait, il n'y en avait qu'un. Donc après, avec les Ouais, PV, il en joue j'étais. deux de fait, donc tu vois, Ouais, t'avais cette liste-là, mais tu l'avais sous elle les est yeux, là. puisque tu Je l'avais l'avais. quand on s'est aidé, on avait la liste. Ouais. Mais j'ai pas Et après, pendant été. la game, tu l'avais plus? Non, Non, pendant t'avais la pas liste, accès, on n'a ouais. pas accès. Ouais. Ouais. Tout à fait, oui. Absolument. Bon, bah écoute, c'est incroyable. Du coup, alors on a vu, ce qui est quand même génial, c'est que t'as ouvert ta gold foil et Ouais, c'est le Mask of c'est Momentum. génial, quoi, pour un mec Je l'ai là. qui a grind avec Aira pendant toute sa vie. Alors, non, j'ai joué d'autres Bon, decks aussi. J'ai non, je joué sais, mais Dory, pendant. Irzai, mais. T'es quand même beaucoup connu pour Aira, donc c'est Bah ouais, alors, incroyable, c'est c'est quoi? génial. Ah ouais, C'est le destin. quand j'ai vu le masque, là, je me suis dit Alors, ouais, qu'elle on peut la montrer un était. peu à la Ouais, bah, caméra. je vais la ressortir. Non, mais quand j'ai vu le masque, je me suis dit que voilà, c'était pour moi. Ouais. Voilà. Alors attends, je vais regarder s'il y a des questions pendant que tu montres Ouais. la. Hop. Ouais. Will you look at that? Ah, c'est magnifique. C'est un peu flou, non? Ouais. Je sais pas si elle va faire le point automatiquement la caméra. Non, elle veut pas. Ouais, je crois que je pourrais pas. Ah, c'est incroyable. Ouais, alors la caisse. Alors je crois qu'on avait une question de. Je la retrouve plus, mais en gros, il demandait pourquoi tu avais décidé de changer ton deck, après la. C'est Arlo qui nous demandait. Ouais. Ouais, c'est toi. Ouais, qu'est-ce qui t'a motivé à modifier ta liste? Et de rajouter les Nimble Strike, les Force of Nature, ce genre de Ah. trucs. Et puis les Chains of Eminence, qui sont un super, super méta call, je pense. Alors, ouais. Alors, en fait, bon, voilà, j'ai testé pas mal de decks avant le National. Ouais. J'ai testé Prism. Je fais pas mal de parties. Bon, j'étais pas super à l'aise avec la version aggro. Ouais. Vraiment plus à l'aise avec la version aura. Et puis finalement, voilà, la méta étant un peu plus aggro, je me suis fait battre par un Lexi Lightning, vraiment Ouais. plusieurs games d'affilée. Donc je me suis dit, bah, C'est tiens, chaud. je vais passer sur Lexi Lightning. T'as essayé, J'ai essayé, j'ai fait pas mal de parties, c'était pas mal, bah, jusqu'à ce qu'il y ait Briar qui arrive et que ouais. ça passe plus du tout. Et à partir de là, Donc depuis la semaine dernière, en fait, depuis ouais, qu'elle a bah, émergé au et National je UK, suis passé ouais. sur Briar il y a 4 jours. D'accord.
parce que j'étais encore sur Lexi en début de semaine en fait. Et Briard, en fait, quand je suis parti sur la liste, j'ai pris une des listes qui existait, puis j'ai enlevé toutes les cartes Earth, toutes les cartes Lightning, et je suis parti sur une première version 100% cartes génériques qui marche bien. Et puis je me suis dit, et bon, j'ai perdu un petit peu aussi, et puis j'ai adapté, notamment j'ai réintégré quelques cartes Lightning, certains noms qui étaient joués, comme Electrify par Ouais, exemple, je sais Entwine pas, Lightning, tu joues Antoine pas? Lightning, non, en Ouais, fait, t'aimes pas? j'ai pas assez, j'en ai pas tant que ça en D'accord. fait, parce qu'en enlevant Ouais, les c'est vrai que Electrify, quand le t'en as... Fuse, Après, il t'as pas le est. Logan, c'est Ouais, moins... je cherche pas à faire le Fuse en quelque sorte, je le cherche pas. Si je l'ai avec une Ball Lightning, je le fais, Ok. mais comme les Ball Lightning, j'en joue pas tant que ça. Et en fait, un petit peu, une des cartes qui me plaisait bien, c'était Nimble Strike. Alors, Ouais. pourquoi je l'ai prise? Parce que déjà, j'ai peu de cartes payantes dans le deck, j'en ai 4, donc j'ai Ouais. les deux Nimble Strike et les deux Floor Surge. Et Nimble Strike, donc je peux le payer avec la tunique. Et j'ai mis 6 Nimbleism pour être sûr de De pouvoir. pouvoir le Donc j'ai trigger. 2 Nimble et 6 Nimbleism pour le trigger. Et en fait, ça combo avec Force of Nature, en Et fait, oui, parce qu'il y a ouais. le plus 1 intégré. Et donc, du coup, ça permet de continuer à mettre la pression sur un tour avec un Plunder Force of Nature, ou par exemple, on a fait un Exude ou un Snatch, de pouvoir continuer Ah oui, la mais c'était pression tous les avec Plunderhun, ça. avec Ouais, Minimism, avec... Ouais. les Force of Nature, moi, c'était la carte. En fait, c'est Force of Nature que j'ai identifié. Je me suis dit, je vais faire le deck autour de ça. Donc, c'est vraiment pour D'accord. moi l'include qui a fait qu'après, je me suis dit, je vais builder autour de ça. Et Nimble Strike a trouvé sa place. Alors, de mes premières versions de deck, il y avait 9 Nimbleism. Donc, il y Ah a des gens ouais, qui se sont moqués de t'étais moi parce vraiment que allé je au les fond du avais truc, au bout du en truc. bleu et Ouais. tout. Et j'en avais 3 Nimble Strike. Et puis après, bon, j'ai un petit peu peaufiné. Et voilà. Après, le side, j'ai un petit peu moins travaillé. J'ai pris quelques exemples. Et les chaînes afféminantes, en fait, alors ça, c'est mon frère, hein, il faut le nommer. C'est lui qui a eu cette deck tech là, un petit peu au dernier moment. Et en fait, c'était pour le Lexi Ice, en fait. OK. Et Lexi Ice, on avait trouvé le moyen de la bloquer complètement. Parce que si elle joue Death Dealer et qu'en fin de tour, elle venait à fuse avec une de ses flèches pour avoir l'effet, elle fuse avec par exemple une carte glace, quelle qu'elle soit, un Polar Blast ou une autre. Si à la fin de son tour, elle la met dans son arsenal, nous on pouvait à notre tour, alors on avait peut-être des Frostbite, etc. Mais le but c'était de pouvoir placer un Chain of Eminence et de nommer la carte de l'arsenal de la personne. Eh Et en oui, fait, la particularité elle est bloquée, ouais. de Death Dealer, c'est que Death Dealer, pour mettre une flèche dans l'arsenal, il faut que l'arsenal soit vide. Et en fait, c'était le principe de bloquer l'arsenal et qu'en fait, Lexi soit là et puis elle ait l'arsenal bloqué, elle Elle a un puisse pas tour, poser, ah avec ouais. Death Dealer, elle puisse pas poser de flèche. Alors si elle a le Howling Wood, Ok. elle peut vider l'arsenal, il y a quand même 2-3 trucs, mais qu'en tout cas, pendant un tour, elle puisse rien faire. Et alors là, et derrière, on Ah, prend c'est notre très bon. tempo et donc on a Et intégré ça. tu le joues pas dans d'autres match-ups? Si, enfin, il y a Si, bah. potentiellement. Si, j'ai. Bah là, Si, par il peut exemple, jouer. il avait 9 cartes, il avait les Barraging, par exemple, que tu aurais pu nommer, mais tu as Oui, choisi de pas oui. les jouer. Alors, je ne sais pas, Ouais, en fait, par si tu avais erreur. joué à 72, tu les aurais Mais mis peut-être, voilà, ouais. après, mais elle est bien la carte. C'est. Elle est bon, après, elle sert à avoir le Bogen, hein, surtout, elle Ouais. sert à trigger à mon Ouais, tour. pour le Element of Et Lightning, puis, ouais. après, ça peut servir pour aussi, lorsque j'ai joué contre Seb en quart de finale, bah, ça me permettait d'aller nommer des cartes de défense-réaction. Donc Ouais. c'était pas mal parce il joue 9 flic-flac quand même. Donc, et les flic-flac, ça peut, moi qui essaie d'aller un peu wide, un flic-flac, ça peut être vraiment gênant aussi. Donc Ouais. je le nomme, comme ça je sais que Tu sais normalement, que t'es un ma peu trop court première sur une phase attaque d'attaque. qui a des on-hit, elle Ouais. peut plus facilement passer. Et puis après, le reste du tour est pas embêté avec l'effet du flic-flac aussi. Donc il y a une utilité. Après, il y a un petit peu de gamble, quoi, parce qu'il faut essayer de trouver un petit peu. Ouais, Moi, de trouver la bonne carte. et ça, je suis pas bon pour ça. Alors, du coup, voilà. Ouais, Arlo qui dit que t'es un génie, Ah tout simplement. ouais, bah, c'est gentil. Est-ce que tu vois, donc ça c'est une question de Tagore, est-ce que tu vois une façon de contrer Briard maintenant que tu l'as testé, que tu l'as bien joué, est-ce que tu vois une manière efficace de la tenir en échec? Oui, il y en a une et qui est Qu'est-ce qui t'a le... Ouais. il y en a une et qui est très très bonne. Bah, c'est le deck qui a fait Zikad, hein, tout simplement, hein, parce que Ouais. le deck Bravo qu'il avait. Bon, moi, je l'ai découvert en fait, hein, ce Ouais. match-up, parce que. J'ai rarement joué contre Bravo avec Briard déjà d'une part, mais Bah déjà, si je tu l'as pense joué que depuis 4 jours, c'est c'était. compliqué de tester Oui, ce j'ai fait quelques games en 4 jours quand même, match-up. j'ai pas mal joué. Et puis j'avais joué contre. Et voilà. Ouais. Et puis le deck, il faut reconnaître qu'il n'est pas non plus, c'est pas le deck le plus compliqué à jouer. Il y a bien plus Ouais. complexe aussi, hein, même s'il faut faire attention à pas mal de choses. Mais après, ouais, le Bravo Zikane, c'est phénoménal. Moi, j'ai un petit peu improvisé. Je pense que si j'avais fait plus de parties, si j'avais un petit peu. Mais Ça aurait été il plus m'aurait close, fallu ouais. un side spécifique que j'avais pas. Il fait un peu d'entraînement et puis le deck son deck était très raffiné. Après, au-delà de ça, il pilote super bien. Donc Ouais, il y a non, ça aussi. et honnêtement, j'ai trouvé que j'en étais pas si mal sorti parce Ouais, qu'à la fin, bah il n'avait ça a pas été tant trop de PV tendu, que hein. Ouais, ça. bien sûr.
Et non, voilà. Et puis voilà, donc c'est sûr que voilà, donc c'est ce deck-là. Après, je sais qu'il a des match-ups un peu défavorables, Ouais, il mais peut pas gagner contre tout, j'imagine, ouais, c'est c'est une vraie d'ailleurs. solution. Et je pense que peut-être que les Briards peuvent s'adapter un petit peu. Peut-être que, en tout cas, nous, parce qu'on a travaillé le deck avec mon frère, on avait décidé de side un petit peu. On avait visé quelques decks, hein, dont voilà, Lexi Ice notamment, un peu Bravo, mais en fait, plus le Bravo mid-range qu'un peu plus classique Ouais. qui existait. Et en fait, pas du tout. De Ou bravoure peu, en tout full défense cas. avec le bouclier, avec Voilà, les oui. Et en fait, force forward et tout. Ouais. après, il y a d'autres idées, ce n'est pas les miennes, hein, je sais pas, mais il y a d'utiliser des Candle Hold, plus Candle Hold avec la Crown of Dichotomy. Ah Et en ouais? quelque sorte, ces deux cartes, en les jouant en fin de tour pour une ressource, on peut aller chercher dans ce graveyard quatre cartes. Alors, elles ont quelques contraintes, hein, il faut qu'elles soient Runeblade, Earth, etc. Et en fait, on peut préparer sa prochaine main, et Ah donc on ouais. peut. Et donc, on a calculé certaines mains qui pouvaient monter, alors, je sais plus, à 25 dégâts, des trucs un peu intéressants. Et ça, contre Bravo, Ouais, encore plus combo, ça peut être vraiment, pas ouais. mal. Et puis là, par exemple, si j'avais eu ce genre de choses-là à la fin, là, contre Rinard, où j'ai beaucoup de Ah oui, là, PV, ça partait vite. je fais ça, je vais chercher mes quatre cartes qui me permettent de faire mon énorme combo, je récupère des cartes, et puis après, je joue ça. Mais bon, là, voilà, alors, mon frère avait intégré certaines cartes de la combo, mais Il jouait le même deck que toi, on c'est avait Tony, deux, hein, c'est ça, ouais, c'est c'est ça? Tony, on avait deux, trois cartes de différence. En fait, bah, lui, il avait prêté son Skullcap, il s'est engagé à le Ah. prêter, donc il l'a prêté. Et après, il devait jouer avec la dichotomie, et puis il Ah allait ouais. chercher un peu une stratégie avec ça. Et voilà, donc c'était un peu l'idée, mais on a travaillé ensemble. Ouais. Ok. C'était. Bon bah écoute, je te retiens pas plus longtemps, je pense que tu vas aller célébrer ça peut-être avec ton Ouais, frère, avec tout le monde. voilà. Merci en tout cas d'avoir répondu à quelques questions. Je Ouais, passe un merci. message à Ouais, passer à bah, bien quelqu'un sûr. pour Bah, Jean, il y a un truc. j'ai plein de messages à passer. Vas-y, on t'écoute. À vous déjà, qui avez organisé là, tout le streaming, tout ça. C'est Bah c'est super cool. chouette parce que je sais que vous avez fait beaucoup de boulot là. J'étais passé vendredi un peu après-midi. C'est énormément de boulot. Il va y en avoir encore un peu tout à l'heure. Donc Ouais. voilà. Après, bah, évidemment, bah, tous les gens qui ont participé voilà, à l'orga du tournoi plus globalement, à tous les joueurs, à tous les adversaires. Et puis ma famille aussi, et puis à toutes les personnes qui m'ont soutenu, j'ai beaucoup joué quand même, donc c'est aussi ces temps-ci, voilà, donc un gros coucou à ma famille qui m'a soutenu là-dedans, et voilà, c'est un plaisir, moi j'adore ce jeu, c'est un plaisir, la communauté est vraiment incroyable, une ambiance voilà, phénoménale, là c'était un week-end voilà, génial, et puis on a déjà hâte d'être voilà, À au la prochaine étape, prochain, au prochain gros tournoi. et Alors c'est quoi voilà, maintenant? Parce que là, vous êtes tous les deux qualifiés là pour la suite Là, il y a des Utrecht, compétitions. Ah, il y a il y a d'abord Utrecht, Utrecht, voilà, effectivement. Et donc, après, il y a les compétitions et internationales. après, j'ai pas, voilà, pour Je sais pas l'instant, c'est encore. Ouais, Utrecht, c'est encore un peu flou. et voilà, Et donc, Utrecht, alors tu fais quoi? Tu restes sur Bayard? Tu vas essayer de peaufiner le deck? Tu vas aller plus loin ou tu vas essayer de contrer ce deck qui va être un peu je vais là. regarder un petit peu ce qui se passe, Ouais, tu vas là, attendre que ça se pose. je vais, voilà, d'autres finalistes, Ok, super. voilà, et puis, bah, ouais, je vais voir un peu ce qui se passe, et puis on Ok. avisera, Ouais, t'as encore un petit peu de temps, mais là, je pense qu'il faut profiter de la victoire et puis tu vois yes. un petit peu comment ça va s'organiser. Ouais. Ouais, je pense que ça va encore plus essayer de contrer Briard, donc peut-être qu'il Il va faut y avoir voir des comment ça va choses, et évoluer, puis tout ça. j'espère qu'il y a des Lexi qui vont faire Ouais. des choses. Voilà. Moi, j'aimerais bien retourner sur Lexi. Enfin, je le dis, Lexi Ouais, me plaît bien. Lexi, c'est l'avenir. Bon, bah Voilà. voilà, vous l'avez entendu de la bouche du champion de France, donc Lexi, c'est l'avenir. Allez, Merci merci, beaucoup, hein, merci à Christian. À tous. très Merci, bientôt à et bientôt, merci. profite bien de cette journée. Merci. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il n'y a que des frères. Alors, Aïssi, je te conseille de rester là parce qu'il y a quelqu'un que tu connais bien qui arrive. Bah, viens, Étienne. Il y a ton frère qui est là et il demande s'il n'y a que des fratries qui jouent à ce jeu. Alors, est-ce que c'est un jeu de frères, un jeu de bros? Bah, pour l'instant, oui, Vous mais êtes mis en famille, en fait. C'est comme ça que ça a démarré? Vous étiez mis au même moment avec Simon? c'est Simon qui s'y est mis et Peut-être était puis obligé. non. Non, il m'a proposé. Et moi, je suis pas joueur de cartes, je suis joueur de figurines à l'origine, Ok, plus Warhammer, ce genre de Warhammer, ce truc, genre ouais. de Ok. choses. Et il m'a présenté le jeu, je détestais Magic. Ouais, ça arrive. Et ouais, voilà, après, pourquoi, je sais pas, mais. Et quand il m'a présenté le jeu et qu'on a essayé, je l'ai trouvé super chouette. Et voilà, ça bougeait. On jouait en même temps que l'adversaire. Ouais. Enfin, voilà, c'était Aucune vraiment carte prenant. morte, ce genre de truc, quoi. Ouais. Très simple à prendre en main, mais une grande profondeur. Ouais, On pour vraiment pouvait aller maîtriser. vraiment loin. Donc, et ça, voilà, bah après, ça m'a peiné. Moi, j'ai un peu plus de temps que lui. Il est meilleur que moi, hein, c'est sûr. Mais il n'a Bah pas. écoute, apparemment non. Bah, Tu l'as battu 2 fois ce week-end. c'est un match-up qui est pas en sa faveur. Ouais. Donc voilà. Tu joues toujours Reinhardt, toi? Depuis le début? Non, j'ai commencé. Je joue tous mes blitz avec Reinhardt. D'accord.
parce que je trouve ça très amusant. Ouais, ça va vite. Ouais, ça bah Tu peux tuer un les. gars en Antois. Oui, alors non, d'habitude, je jouais jusqu'à aujourd'hui, je jouais Reinhard Klaue. D'accord. Voilà. Et donc, Là, j'ai t'as même. même pas les clos en side, ouais. C'est vrai qu'il y a Non. d'autres joueurs qui mettaient les clos, enfin, qui pouvaient choisir soit les Oui. clos, soit le club. Je les ai virés exprès parce que c'est un D'accord. piège pour moi. Donc, Ouais, ok. Sinon, t'as trop envie de les jouer tout le temps, voilà, on et a un blood rush en main, on veut ouais. faire un gros tour de clos, Ouais. alors que pour moi, c'est pas la force de Rana. Ouais. Et ça, je l'ai découvert là, il y a quelques semaines. Et je Du coup, voulais t'as joué enlever plus cette part contrôle, plus. d'aléatoire, Ouais. voilà. Et j'ai joué Shayne au dernier RTN, ça s'est très mal passé. Ah ouais, t'as pas aimé. J'ai pas aimé, pas de possibilité de changer de C'est vrai. stratégie. C'est Ouais. aggro. Si les shackles ont décidé de pas sortir comme il faut, ça devient compliqué. Et j'aimais pas du tout ça. Ouais. Alors qu'avec Rana, on peut jouer Bah défensive, là, de fait, ouais, c'est ce que attendre la j'allais dire. fenêtre, Ouais. faire des Le setups. bon tour de Blood Rush Below, Massacre, Alpha Rampage, ce genre de tour de fou. De fou. Et en limitant, parce que tout le monde dit que Reinhardt, c'est aléatoire, mais je trouve pas du tout, Ouais, moi. ça, bah tu t'as prouvé que ça n'était pas tant que ça, en fait. Ah T'as non. quasiment jamais lancé les 2D, t'as jamais. Bah Ouais, enfin, ouais. sur les matchs qu'on a vus, en tout cas, c'était très très stable, quoi. Jamais T'avais un plan de jeu utilisé très clair. les Ouais. scap skins à outrance. On décide toujours de ce qu'on va défausser. Ouais. Ou au pire, on prend un risque, mais il est modéré. Ouais, Voilà. bah t'as toujours deux, trois cartes que tu peux Voilà. qui sont un peu interchangeables, quoi. Ouais. Alors pourquoi t'as. Est-ce que t'avais playtesté un petit peu le match-up contre Braia avant Bah, avant j'en le ai tournoi? joué Est-ce que deux c'était ta avant. bête noire? Est-ce que Non. t'étais inquiet dans le match-up? J'étais inquiet parce que Chris est très bon. Ouais. Voilà. Par contre, j'ai battu les deux Braillard Que t'avais croisé que j'ai hier et aujourd'hui? croisé hier. Et t'en as croisé un autre aujourd'hui? Non, enfin aujourd'hui, t'as. Non, Non, c'était. non. Bah non, c'était ton frère Et et Pampini, l'autre ouais. Reinhard. Voilà. Non, hier, je suis tombé en round 1 et en dernière round, en round 5. Ouais, avant le vent de draft, ouais. Et j'ai joué mon plan, c'est-à-dire fatigue. Ouais, et c'est passé à chaque fois. C'est passé à chaque fois. Même le premier, comme ça sortait pas bien de son côté, je l'ai même tué. Après, t'as commencé à attaquer assez Ah vite. bah ouais, je l'ai pas eu à la fatigue, je l'ai tué. D'accord. Mais t'es quand même parti sur ce plan de jeu comme t'as fait tout à l'heure, tu pars défensive, tu pars Ouais. défensive, t'hésites pas à claquer toute ta main juste pour défendre, quoi. Oui, parce Ouais. que c'est les petits points de vie à la fin. Bon, là, comme me l'a dit, j'ai perdu son nom. J'ai complètement zappé l'Arcanite avec Ah oui, voilà, on voulait le. en parler de Skullcap, ouais. Alors que contre ma dernière partie hier contre Braillard, j'ai Ouais. justement gagné En faisant ça. en faisant ça Ouais. parce que tout du long de la partie j'étais en dessous et en fait je pitchais mes bleus et je cyclais mes bleus pour bloquer Ouais. les coups de Rosetta. Là, voilà, je suis vraiment très fatigué. Je pense que voilà, Ouais, le week-end un peu agité, ça a pas aidé bon à se bah souvenir ouais, de tout ça. quasiment pas dormi, Ouais. mais c'est comme ça. Et puis de toute façon, son changement quand il s'est rendu compte que ça allait pas passer et qu'il a changé Ouais. de. Du coup, je me suis posé pas mal de questions, comment m'adapter. Et mon plan de jeu est un peu tombé à l'eau quand j'ai pioché mes deux. J'en ai mis que deux, mais l'As d'Itch est fort. Je les Ouais. ai piochés en même temps, j'ai dû en utiliser un pour me défendre. Alors que mon plan, c'était de les cycler et de faire un gros tour à la fin. Et c'est Zikane qui a parlé de ça hier et ça m'a Ouais. fait tilt. Donc. Ouais, il était convaincu de t'en jouer 3, donc il a eu peur jusqu'à la fin, et puis finalement, Et c'est j'aurais ce que dû en disait jouer Christian. trois. Ouais, ça m'a laissé Mais une bonne stat quand. au dernier moment, je me suis dit non, je vais laisser un swing first, think later. Alors qu'en fait, il n'y a aucun. Enfin, pour Il n'y a moi, aucun avantage. non, Ouais. j'aurais dû remplacer les trois comme je pensais, je l'aurais dit. Donc pour toi, c'est un bon Mais méta call en ce moment, la Reinhardt, parce qu'il y en a quand même 4 hier. Il y avait 3 Levia aussi. Les brutes étaient bien représentées. Et puis il y en a eu 2 en top 8, quoi. alors pour Toi, moi. t'es confiant face à Braillard, par exemple. S'il continue à y avoir beaucoup de Braillard dans le méta, tu conseilles de jouer Reinhardt? Moi, je suis pas un expert, Non, mais à ton niveau, en tout cas, à ton niveau de hein. finaliste du championnat de Ouais. France. Pardon, pardon si t'es pas un expert, mais en tout cas, t'es arrivé jusque-là, donc je pense que tu dois Ouais. avoir compris quelques trucs. Pour moi, la grosse force de Reinhardt, c'est de mettre de l'aléatoire dans le jeu de l'adversaire. Ouais. Ça, de l'empêcher de faire ce qu'il veut. Et ça, c'est toujours fort. Il est très bon en défensif et il peut s'adapter et mettre des parpaings. Et contre Braillard, voilà, quand on a un créneau, quand Braillard fait un tour off, qu'avec des C'est là que t'en profites, attaques, ouais. ce qui peut lui arriver, parce que comme tous les jeux aggro, comme Shayne et tout, quand on joue la moitié de chaque, Mmh.
Les probabilités veulent que des fois ça. Et du coup, Reinhard, lui, il peut sauter sur cette occasion pour coller des coups de club ou si les cartes sont bonnes, mettre des bons parpaings, quoi. Ouais. Il est polyvalent, il défend bien. Bon, il n'a pas beaucoup d'armure, mais il défend bien quand on a rentré les DR. Il faut faire très attention avec le Reckless, qui peut être un piège aussi, comme les Clos. Ouais. Là, tu n'en avais pas, hein? Non, je les ai sortis. Tu les as sortis quand? Assez tôt dans, dans la phase de playtest, c'est Non, parce que c'est quand même un truc qu'on voit dans, dans quasiment, enfin dans tous les decks, je pense qu'on peut le dire. Si j'étais quand même assez surpris qu'il n'y en ait pas. Je les ai joués contre les autres Braillards, mais là juste avant, je me suis dit, je vais l'avoir à l'épuisement. Un Reckless, ça me coûte 2 cartes. Ouais. Ça me bloque 2 cartes en main. Mm. Très souvent, ça nous emmerde plus qu'autre chose. Ouais. Du coup, j'ai décidé de les sortir, même si c'était 2 pitch bleus en moins, okay. Pour ne pas me faire bloquer avec des tours où il était en main, je pouvais pas le jouer, ouais. Et prendre du coup plus de dégâts, oui. Que je n'aurais dû. Okay. Et j'ai préféré rentrer les Unmovable, mm-hmm. qui peuvent toujours servir à pitcher pour de l'arcane ou un coup de club. Mm-hmm. Et voilà, c'est un pli de dernière minute que j'ai pris, et surtout pour augmenter mon taux de. Enfin, mon nombre de cartes, j'ai rentré les Arc Smash aussi, ouais. Qui normalement ne rentrent que contre Dash. Contre Dash. D'ailleurs, contre Boltin, mais sinon j'ai pas... ton frère, on était mort de rire parce que c'était vraiment le frère qui cassait les jouets de son... Ouais. Je sais pas si c'est ton petit ou grand frère, ouais, mais c'est... mon grand frère. C'est ton grand frère. Alors vraiment, il rentre dans la chambre et il pète toute sa chambre. Et... ça fait 2 fois en direct que je casse les jouets. Ouais. Il t'en a voulu un peu ou il a l'habitude et non. Il s'est dit, allez, c'est bon, c'est le petit frère. C'est un match-up pas super favorable, il n'a pas eu une belle ouais. sortie. Moi, je dois avouer que la dernière, là, vous avez bien vu, là, j'avais des mains qui sortaient, elles étaient magnifiques. C'était quoi. Magnifique, ouais. Et des tours monstrueux. Bah, ouais. Hier, c'était vraiment serré. Quand tu as gagné la fatigue, ouais. Là, c'était vraiment ultra chaud. Ouais. Bah, il est revenu avec un tour où, ouais. où il met 25 ouais. et il gagne 5 points de vie. Là, il n'a pas réussi à le faire, hein. Malheureusement, c'est Tom Offindal, lui, on ne l'a pas servi à remonter, donc ouais, c'était un peu... Ouais, c'était un peu il en a banni un, ouais, donc il a banni un, joué un, il n'en avait plus, donc derrière, moi, je savais que... Tu savais qu'il ne remonterait jamais en point de vie et que voilà, ça allait être inexorable. Ça allait être compliqué. Ouais. Bon, du coup, alors que c'est quoi le futur pour toi en tant que joueur? Parce que maintenant, tu es qualifié pour... Est-ce que tu vas à Utrecht déjà? Est-ce que tu fais le calling? Bah non, mais puis j'ai un baptême et je suis le parrain. Donc ok, oui, il y a plus important, on est d'accord, absolument. Alors du coup, ouais, t'es qualifié pour le PTI, c'est ça? Qu'est-ce que tu vas... Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu comptes faire? Honnêtement, vas... je viens de le découvrir. Tu savais pas? Bah, j'ai pas regardé, moi, les lots du top 8. Ouais. Je ne pensais pas arriver jusque-là, honnêtement. Ouais. Donc, c'est un peu une surprise. Tant mieux. Bon, il faut profiter, ouais. quoi. Il faut ride the wave. Ouais, profiter un petit peu de tout ça, quoi. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'il y a des meilleurs joueurs que moi, donc... Ce qui compte, c'est d'arriver en finale ou de gagner après. T'es à ta place, quoi. Pas se dévaloriser non plus. Ah non, mais... on est content, là, avec, avec mon frère. Vous avez fait top 8 et finaliste, top 8 c'est incroyable. Et top 4. Et du coup. Donc, très bien. Ouais, super content. Et alors du coup, je sais pas si non, tu as pas montré la colle. Alors on n'a pas bien vu, si tu peux la ressortir un tout petit peu. Ouais. C'est la crown, c'est ça? Oui, alors je l'avais jamais vu avant, de toute façon, je l'ai pas ouvert. La carte dans... je l'avais jamais vu avant. Tiens, si tu peux la mettre à la caméra, on le voit pas très bien. Elle est où? Elle est là. Hop. Ouais, un peu moins loin. Hop. Elle est hyper ballon. Ouais, bah, c'est joli. Super. Et voilà, une belle carte. Bon voilà, à quel moment vous allez commencer à former votre frère ici, Frostone, qui est là, ici présent, qui te dit GG d'ailleurs. Est-ce que ton retour au Bercail, ça y est, vous commencez un petit peu à lancer la formation? Parce qu'on s'est dit qu'à un moment, si vous vous démerdez bien, vous pouvez faire un top 8 avec que des durs 8. C'est possible qu'on ait beaucoup de durs 8. Ben, y avait les cousins et tout à l'heure, donc c'est possible. Hein. Et ben, mon petit frère, on l'a pas encore initié. Ouais. Par contre, c'est lui qui veut pas ou c'est vous qui vous dites on n'a pas encore eu l'occasion. Okay. Ça devait se faire, mais on n'a pas encore eu l'occasion. Mais je pense que là, à Noël, ça va se faire. Ouais, et puis ça a dû le stimuler un peu. Il était sur le chat, il avait l'enthousiasme. Ouais. Il est en coloc avec Louis, donc un autre de mes cousins. D'accord. Et lui, il a été initié cet été, il a accroché. Donc, après, d'accord, c'est le moment, les gars.
Ouais. Ouais, donc lui, c'était Panzer machin là qui était là Ouais. tout à l'heure. Hein, ils avaient l'air chaud. Bah écoute, ouais, ce serait cool en tout cas de vous voir arriver en force Ah ouais, avec au prochain championnat. beaucoup de durée. Ouais, tous les durs de la Terre. Bon, bah c'est cool en tout cas. Merci d'avoir pris Bah, quelques merci à minutes vous pour pour. répondre aux questions. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Et merci et félicitations. Bah, merci. Salut. Merci à vous pour la couverture. Avec Ouais. plaisir. Eh ben, si tu as un message à transmettre à ta famille, à tous tes fans, Panzer te fait coucou, Ah, j'ai Jules. pas de fan, mais Bah, merci. si tu as des fans, tu as au moins ta famille. Merci hein, d'avoir bien suivi. Allez, Salut, bonne journée à toi. ciao. Allez, Aurélie. Aurélie, last apparition. Alors, c'était bien ces interviews? C'était cool, ouais. C'était Bah, cool? c'est des mecs adorables, hein. Comme Ah tous les ouais, tout membres le de monde est cette très content communauté ici. adorable. C'est le monde des bisounours, tiens, on s'aime On tous trop espère fort. la voir sur les tableaux. T'as eu très avec toi? Bah alors, il a dit qu'il viendrait pas, Honorius, parce qu'il a mieux à faire. Mieux à faire. Il a mieux à faire, ouais, il a le baptême, il a un baptême et il est Ah. parrain. Donc on peut Ah, pas dire qu'il a il a pas pas mieux le à choix. faire. Il a Ouais, pas le c'est mieux choix. à faire. Bon bah. Par contre, ouais, Chris y sera. Donc on a hâte de voir ça. Il sera avec son frère, Top. avec qui il déteste Tony, avec qui il nous expliquait qu'il avait eu beaucoup d'idées. Il a beaucoup. C'est avec son frère qu'il a développé quelques petits changements dans les decklists qu'on voit un peu plus ces derniers temps. Donc voilà. Tony qui jouait aussi Briar. Et qui m'a battu d'ailleurs avant-hier au Team Tu Trio. t'en Donc, souviens? ouais, je me souviens de Tony. Oui, je me souviens de Tony. Voilà. Donc Ok. voilà. Bah Bah, écoute, c'était un bon week-end. ouais, c'était un bon week-end. Ça t'a plu? Top. Bah, écoute, Ça au t'a point donné envie de jouer un peu que. ou pas, toi? Bah, en fait, je crois que je vais faire l'inverse. Je vais peut-être drop du Ouais. National belge pour Juste faire le pour. Ah coverage ouais, la semaine donc toi, prochaine. ça t'a donné envie de streamer plus, pas de jouer au jeu, quoi. Bah, en fait, il n'y a pas de coverage pour l'instant en Belgique Ouais, la ce serait semaine un peu dommage prochaine. parce qu'il Et y a en des fait, je très trouve bons ça joueurs. triste parce que je pense que ça a quand même apporté pas mal de choses. Ouais. Ce qu'on a fait ce week-end, d'avoir plus que les games et d'avoir Mmh. du matos. Moi, j'ai pu voir ce que ça faisait aussi. En fait, c'est horrible, mais j'ai plein d'idées de tools et de choses que je peux faire. Et moi, c'est mes compétences, elles sont là, Ouais, tu vois. soyez prévenus. Oui, du Donc coverage, dit je pense que Claudie. je vais peut-être faire des streams cette semaine pour le développement des outils Ouais. qu'on Mais utilise. Claudie, il dit oui du coverage, mais il veut pas que ce soit lui qui le fasse. Voilà, donc non, je pense je suis en contact avec le TIO, je vous tiens au courant début de Ouais. semaine de si on sera là, et au pire, coverage sur Twitter, vu que je serai sur place. Évidemment. En tout cas, je pense que j'espère qu'on a bien inspiré les Belges pour leur national le week-end Ouais. prochain. Et puis Le après, bah, tout le monde piu-piu, retrouvera dans ses. Ouais, on fera des piou-piou. Et ouais. peut-être que je préparerai un. Je sais pas faire ça. Peut-être que je trouverai des gens qui savent faire. Mais je sais qu'on peut faire un stream deck sur les téléphones. Peut-être que Ouais. je pourrais avoir une machine à piou-piou. Mais j'espère qu'il y aura des dash. Sinon, j'aurais fait tout ça pour rien. Bah, Il je faudrait que j'ai une faisais. machine à Ouais. Non, mais piou. attends, Cléonis, Une je pense machine. qu'il est chaud pour jouer Dash. Hein. Une machine. Il faudra un truc pour les dégâts d'arcane ou un Ouais, truc c'est comme ça. ça. T'inquiète, je vais préparer un bruitage spécial avec chaque Ouais. héros. C'est quoi? Je vais le Cléonis coder. On va faire ça. Non, on va confirme. préparer Bah, quelque chose voilà, de bah, je chouette. pense qu'il faut que tu envoies un message à Cléonis. Il a l'air chaud quand même pour faire des trucs. Il a envie de jouer, mais de perdre vite. Donc. Ouais, mais dans ce cas-là, je joue pas. Je sais pas, faut que je regarde c'est quoi la promo. Ouais. Enfin bon, sur ce, nous on n'a toujours pas mangé. Et du coup, Ouais, mais je pense qu'on va voilà. pas revenir aujourd'hui, hein. Non, En tout on va cas, on part terminer tout de ce suite. stream Voilà. Et puis et bon, on on vous est remercie. désolé pour les On petits couacs a. techniques. Je pense que Ouais. ça a été globalement bien, mais malheureusement sur la finale, il y a eu une petite couille qui met une petite ombre au tableau. Mais bon, on espère que ça vous a plu en tout cas. On vous Ouais. retrouvera très vite. Alors, on va essayer de stream cette semaine avec Pedro pour faire encore un peu plus de contenu compétitif. Et puis pour alors Pedro, il a extrêmement bien drafté aujourd'hui. Il a fait quoi Et alors en... je ne sais Alors, pas, ah les non, quarts c'est de en finale scellé sont qu'il en a, cours. Les quarts c'est de en finale scellé sont en cours. qu'il a Il a cartonné, c'est drafté ça? un Hold'em aux petits oignons sur le draft. Ok. Donc on attend de voir ce qu'il Voilà, va donner peut-être qu'on sur va les me quarts faire de un petit peu de finale. contenu draft. Ça peut-être vous intéresser avec Pierre Dagen et Pedro qui sont des experts du draft. On pourra peut-être faire ça en stream Jeudi par c'est exemple. férié, jeudi c'est Ouais. férié. On peut Donc peut-être faire ça peut quelque être chose. un cool truc à vous montrer. Et puis on va essayer d'augmenter le volume de stream là dans les semaines à venir. Ne serait-ce que pour passer à 7 jours de suite de stream pour pouvoir avoir des Pas de abonnés. suite, mais ouais, Ouais. 7 jours. 7 jours dans les. Ouais, il faut stream 7 jours dans les 30 jours. Mais si on veut pouvoir avoir des abonnements au Ah, on veut National surtout Belge. avoir des emotes. Ouais. Voilà. Voilà. Donc on Bon, comptera en tout sur cas. vous, on va activer les subscriptions comme on peut, et après on comptera sur vous pour Ouais, ajouter. Plus il y a de pour donner subscriptions, plein plus il y aura d'argent d'emotes sur pour la que je garde chaîne, des trucs. et en plus vous pourrez avoir les emotes sur Discord. Voilà. Voilà. Les emotes et les piou-piou, ça c'est tout ce qui compte, Voilà, il hein, y aura bien les sûr, piou-piou, vous il y en aura les doutez. piou-piou. Est-ce que je Bon, vais pas être obligée de jouer Dash? en tout cas. Non, Il mais moi je pense qu'il faut que tu changes de deck, faut hein. que je Vraiment change de tes deck. cartes, Je Kassou, de toute vais y façon. réfléchir.
Je vais y réfléchir. De toute façon, c'est nul. En tout cas, merci. C'était super voilà. De jouer avec toi. On sait toujours pas comment s'appelle notre duo. Du coup. Non, bah ouais, bah ça c'est voilà. De votre faute. Donc, on va faire ça cette semaine aussi. Ouais, voilà, on va lancer un vrai sondage officiel. Comme ça, j'aurai un demi-nom de duo ce week-end. Voilà. Et merci les dons. Alors les dons, j'aurais quand même pu t'abonner un peu plus tôt, ouais. Enfin, de follow un peu plus tôt. Purple Duck. Purple Duck, si. Ah non, mais on a pas. Et du coup, ça sera juste Purple quand je serai toute seule. Non, alors honnêtement, Feyoun, ouais, on va dire que t'es dans le top 1, mais malheureusement, t'es le seul à avoir donné une vraie... Non, il y a eu d'autres propositions, mais c'était des trolls. Comme si elles n'existaient pas. Non, les autres, c'était des trolls, toi, t'es le seul à être sérieux. Donc on attend qu'il y en ait 2-3, tu vois, qu'il y a un peu de concurrence, et puis on vous départagera. En tout cas, c'est noté que t'as été présent et que t'as donné une excellente proposition, donc c'est enregistré, t'inquiète pas. Je contacte tout le monde pour les boosters. Les boosters qu'on a donnés ce week-end, voilà, oui. Je vous contacte, on verra pour les donner voilà. Peut-être à Utrecht. D'ailleurs, je sais que Tagor on avait gagné d'ailleurs, yes. Je ne sais pas s'il est encore là. Voilà, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis ce week-end, on est épuisés, mais on est contents d'avoir fait ça en votre compagnie. Salut Aurélie, à bientôt. Allez. Check. Qu'est-ce qu'on a...